à tous. Bienvenue à cette nouvelle session un peu particulière, puisque nous sommes tous rassemblés aujourd'hui, comme je l'ai souhaité, pour nous entretenir sur un sujet capital, un sujet central. Alors, avant de débuter, pourriez-vous m'indiquer, s'il vous plaît, si vous me recevez dans de bonnes conditions Merci. Ok, parfait. Merci à celles et ceux qui ont et on répondit positivement. J'imagine que vous parlez pour tout le monde. Si c'est le cas, eh bien on va pouvoir débuter. Déjà, je, je, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. J'ai l'impression que ça fait longtemps. <laughs> c'est peut-être qu'une impression. Parce qu'entre temps, j'ai fait pas mal de choses. Et euh, alors, aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier. C'est un grand jour, en fait. Euh, euh, J'espère que vous allez euh, être d'accord avec moi au terme de ce que nous allons euh, parcourir aujourd'hui. Parce que euh, je vais parler déjà pour moi et ensuite euh, peut-être que il y en a parmi vous qui souhaiteront partager leurs sentiments au terme de ce que nous allons partager aujourd'hui. Toute ma vie j'ai recherché euh, une certaine idée, euh, on va dire de l'Afrique, puisque par les temps qui courent c'est encore son nom euh, quand on va bientôt préférer Kama et aujourd'hui nous allons comprendre exactement pourquoi. Euh, toute ma vie, en fait, j'ai toujours eu le sentiment euh, de vivre une époque euh, euh, insatisfaisante euh, parce que j'avais la certitude, j'avais la conviction que nous n'étions pas, quand je dis nous, je parle des peuples kémites, nous n'étions pas ce que l'histoire récente disait que nous avions été et qu'il y avait certainement une manière de remonter le temps pour toucher de plus près, finalement, euh, cette époque glorieuse qui a perduré durant des millénaires et qui fut celle qu'ont vécu nos valeureux ancêtres, en réalité. Et c'est un peu ce chemin modeste entrepris il y a quelques années par chez Kanta Job que j'ai voulu également parcourir, sans me douter, évidemment, euh, des fruits que j'allais saisir au bout euh, de ce cheminement. Et aujourd'hui, je vais euh, tenter, je dis tenter parce que euh, je ne fais qu'exprimer avec mes mots, et les mots de nos ancêtres, donc j'espère avoir euh, les, les paroles justes. En toute manière, nous sommes aujourd'hui rassemblés pour que chacun, au sortir de, de cette assemblée, ait parfaitement, enfin je dis parfaitement, je mettrai des guillemets, compris. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est très important, c'est capital, parce que nous allons toucher à ce que nous avons de plus essentiel en tant que peuple. Quand je dis nous, bien sûr, je parle des peuples kémites, bien que, euh, bien qu'étant parfaitement conscients de la dimension universelle euh, des acquis que nous devons à la suite de les avoir compris restaurer. Voilà, parce que le but naturellement n'est pas de faire de l'intellectualisme et de s'en satisfaire, parce qu'il n'y aurait là aucun intérêt. Le véritable intérêt, euh, qui est la démarche dans laquelle moi je souhaite que vous puissiez euh, vous reconnaître, c'est un travail de restauration et c'est une responsabilité que nous avons. Je le dis nous en parlant de l'école des scribes, parce que ce que nous allons échanger aujourd'hui, personne ne le sait. Nos ancêtres le savaient parfaitement parce qu'ils ont fondé ce qu'on appelle la civilisation sur ces bases. Mais aujourd'hui, ceux qui le savent n'ont pas la dimension historique, donc ne sont pas dans la certitude de, de restaurer ce que nous allons échanger aujourd'hui. La raison pour laquelle on se contente de ce vécu, je ne dirais pas misérable, euh, mais quand même, quand on compare ce que nous avons été à ce que nous sommes devenus, je crois que ce n'est pas faire injure à l'histoire. Que de manifester une forme de disons au moins d'insatisfaction on peut le dire de cette façon parce que actuellement évidemment euh, le vécu des peuples noirs n'est absolument pas à la dimension euh, de ce que peuvent prétendre ces peuples dans l'exercice de la connaissance que leur langue ont enregistrée. donc l'objectif fondamentale de l'école des scribes, c'est de faire de vous des relais, des prophètes d'époque contemporaine qui vont porter où ils se trouvent. Cette parole que nous allons échanger aujourd'hui, elle est évidemment limitée dans le temps puisque... Mon soir aurait peut-être été de vous entretenir comme ça pendant une semaine, mais évidemment, les uns et les autres, vous avez bien évidemment autre chose à faire aussi. Donc, je vais me contenter de ces deux éventuels, peut-être trois heures, je ne sais pas combien, enfin, ça prendra le temps que ça prendra, parce que je vais quand même m'assurer qu'au sortir de cette assemblée, vous ayez au moins un début de compréhension de ce que c'est que l'âme kémite, qu de, ce, de ce que c'est que le peuple kémite, de ce que fut la civilisation égyptienne. Et par là, en le comprenant, bien évidemment. aussi avoir des certitudes quant à... quant à la question de savoir comment saisir cette civilisation aujourd'hui et par quels moyens, elle s'exprime. quels sont les peuples qui, objectivement, peuvent en revendiquer l'héritage parce qu'il y a plusieurs étages? mais vous allez voir, je vais vous l'expliquer, qu'à un moment donné, tous les peuples les Kémites sont des peuples soudanais, puisque le Soudan, c'est le socle même d'où où origine la vie. Mais dans l'exercice de la connaissance de la civilisation égyptienne, à un moment donné, il y en a qui se détachent nettement. Il y en a qui se détachent nettement, parce que beaucoup ont perdu la mémoire ou beaucoup n'ont pas, dans leur discours général sur l'univers, les catégories développées par nos ancêtres de la vallée du Nil. Voilà. Et pourquoi nous tenons comme référent la civilisation égyptienne parce que nous suivons les recommandations du professeur Anta Diop. Euh, voilà. Euh, cela suffit, je n'ai pas besoin de donner ensuite des explications, parce que j'imagine que si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà au moins compris l'importance de cette civilisation dans l'exercice de la renaissance, de la renaissance des peuples kémites. Donc aujourd'hui, nous allons parler des clavicules de Dieu, plus spécifiquement des clavicules d'Amma. C'est un sujet fondamental parce que nous allons toucher vraiment de ce, à, ce, à, ce, à ce que euh, notre tradition a de plus essentiel et de plus sacré. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu que cette, euh, cette séance soit une séance, une assemblée générale en quelque sorte, parce que c'est une politique générale que je vais dresser aujourd'hui, hein, politique générale de l'école des scribes, parce que vous devez quand même savoir où vous vous asseyez et, et qu'est-ce que vous pouvez en espérer. Donc, c'est un discours de politique générale que je vais tenir aujourd'hui en énonçant un ensemble de faits qui relèvent d'un exercice spécifique attaché à ce qu'on appelle les clavicules de Dieu. Bon. Je vais brièvement rappeler de quel Dieu je vais parler, puisqu'il s'agit du Dieu de toute l'Afrique. Vous avez ici une graphique qui est translittérée imen qui est lue Amon par les égyptologues, qui est lue Amoun en copte. Mais c'est son nom que je prononce lorsque je dis Amma, c'est son vrai nom. Parce que le copte fait ce qu'on appelle une, une, un exercice de mutation, une, une mutation phonétique en quelque sorte. Quand le copte dit Amun, c'est déjà une mutation phonétique. Le mot c'est Amma. On peut aussi dire Ma ou Mangala. Euh, quand on développe chez les Bambara Malenke, Mangala qui signifie le maître du ciel euh, indigo. Enfin, il y a comme ça des de manière d'appeler euh, ce, cette divinité que nous allons, que nous allons appeler Amon hein, par convention, euh, parce qu'il est également représenté avec la couleur indigo, c'est sa couleur. Et c'est aussi une couleur sacrée pour ce motif-là. Mais ce sont des détails sur lesquels aujourd'hui je ne vais pas vraiment insister. Je voulais simplement présenter cette première acétate pour que vous sachiez bien de quoi je vais parler. Les, archi les archives assyriennes, comme vous le lisez, retranscrivent euh, ce nom Amana, qui est le nom que les Dogons donnent à Amma. On peut l'appeler Amma ou Amana. Les deux formes sont attestées même au sein des langues dogon. On dit aussi Amba. Amba. D'accord Voilà pourquoi certaines langues en Afrique ont la formule Nyambé, comme chez les Bassas du Cameroun par exemple, ou nzam, nzam, Nzambi, ou Nzambe chez les, les Ewondo au Cameroun, etc. C'est le même. C'est la même énergie, c'est la même puissance à laquelle nous nous référons lorsque nous. Nommons de cette sorte. Mais les Dogons ont toutes les formes. On peut dire Amba, on peut dire Amma, on peut dire Amana chez les Dogons. Euh, c'est cette forme qui subsiste au niveau du, du Rwanda, quand on dit euh, Iman, Imana, etc., euh, en, en, en Kirundi ou en Kinyarwanda. C'est le même nom. Donc c'est le dieu de toute de l'Afrique, c'est euh, le dieu du, 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 du monde noir. Le dieu unique des peuples kémites. C'est la référence que je souhaite que vous, vous adoptiez pour les, pour les motifs que je suis en train d'énoncer. Donc, les archives assyriennes retranscrivent ce nom à Mana ou à Manou à la fin de la 18e dynastie, soit vers 1200 avant l'ère actuelle et à Mané au 7e siècle avant l'ère actuelle. Claude Rilly, qui est euh, à dire un chercheur, un linguiste peut-être, tout au moins un chercheur qui s'est beaucoup intéressé au Méroïtique, c'est-à-dire la civilisation de, du royaume de Méroé, signale que ce nom est lu Amani en Méroïtique. C'est un nom qui admet évidemment plusieurs mutations et ce nom qu'il propose ici est très intéressant parce que Amani signifie la paix en Swahili et il y a une relation immé immédiate entre le nom, la signification du nom d'Amma et la notion de paix. Bon, mais nous n'allons pas aujourd'hui vraiment aborder cet aspect, je, je dis seulement en passant, parce que évidemment, c'est un nom qui a une signification. Une lecture recoupée par Yuri Zawadowski, euh, qui euh, atteste du fait qu'en méroïtique, on dit effectivement Amani pour nommer le dieu suprême de toute l'Afrique. En moyen babylonien, ce nom est lu « Amana ou Amana. En moyen babylonien, ce nom est lu « Amana ou Amana, qui est le nom que les dogons, je le répète, donnent à Amma. Donc, c'est de lui que nous sommes en train de parler, c'est son nom qui est écrit ici. La forme adoptée par les Grecs, Amun, ou Amoni, ou Amun, avec deux M, offre une similarité de prononciation avec le copte Amun. Donc, le copte dit Amun, évidemment. Le copte a pu être influencé par le grec, car vous savez que le, le copte observe par certains aspects une certaine proximité avec le grec, puisque c'est une langue qui va apparaître autour du IIIe siècle, à une époque où l'Égypte était déjà passée par une, une époque de, de colonisation très, 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 très euh, importante, puisque euh, les Grecs y étaient déjà depuis au moins, au moins cinq siècles. Voilà. Au moment où le copte émerge, donc, et le copte émerge du fait aussi, on peut le dire, du christianisme égyptien, en fait. Donc, quand on dit Amun, ce n'est pas dit que c'est la forme attestée, que c'est la forme que les Égyptiens anciens prononçaient, évidemment, puisque en Afrique, on trouve des formes euh, similaires attestées par le, les langues plus anciennes que le, que, le, que le copte, notamment le moyen babylonien. Quand le moyen babylonien dit, dit Amma ou Amana, comme vous voyez ici, euh, ça veut dire que les anciens Égyptiens prononçaient le nom de Dieu de cette façon, en fait, parce qu'il y a une relation beaucoup plus immédiate. Je pense que chacun peut, chacun peut le comprendre. Donc c'est de de Dieu. Parce que quand si je, si je dis c'est de ce Dieu que je vais parler, c'est comme s'il y en a d'autres. Non. C'est le Dieu unique de toute l'Afrique. J'ai souvent rappelé que la notion de Dieu, c'est une notion euh, intellectuelle et traditionnelle africaine. Il n'y a pas de Dieu en dehors de l'Afrique, il n'y a que des imitations. Mais quant au fond, vous verrez qu'ils ont imité jusqu'à un niveau, mais à un moment donné, ils ont été largués parce qu'ils ne pouvaient pas pénétrer, ils ne pouvaient pas aller... C'est une question aussi de tradition. C'est la raison pour laquelle vous allez voir qu'à un moment donné, il y a certains peuples en Afrique qui se détachent totalement des autres du point de vue de la compréhension de ce qu'on appelle le fait divin dans ces grandes catégories et qui ont été des, des précurseurs, des enseignants pour d'autres peuples en Afrique parce qu'on n'est pas tous égaux. Devant la connaissance en Afrique. Vous devez le savoir, même si ce n'est pas une manière de déconsidérer des traditions qu'on trouve de ci, de là. Mais il faut quand même savoir que nous sommes dans une démarche d'excellence. Et la civilisation égyptienne, c'est la civilisation la plus brillante que le monde ait jamais connue. Donc, s'il si y a en Afrique des peuples qui ont su produire ce résultat, c'est qu'il faut nécessairement s'y intéresser et considérer que devant la connaissance, ils ne sont pas égaux. C'est un fait. Mais ce n'est pas une, une, une manière pour moi de de diminuer le mérite des uns et des autres. J'espère que vous le comprenez. Ce n'est qu'une question d'apprendre. Quand, quand, quand on vous enseigne, vous, vous comprenez. Parce que nous sommes dans une même ère culturelle et nous avons la même pensée symbolique. Mais il y en a qui ont été des prométhées au niveau de la connaissance. Ils sont allés voler le feu sacré dans la télé des forgerons pour les apporter aux humains. Et c'est cela aussi que je vais célébrer aujourd'hui à travers cette communication. Bon. Cette image, vous la connaissez déjà pour moi, cette première partie est une sorte de rappel, en quelque sorte, euh, parce que c'est le point de départ. Cette image est appelée l'œuf d'Ama. On dit aussi le ventre des signes du monde ou le tableau, le tableau d'Ama. C'est l'œuf primordial. Ici, c'est un dessin, une représentation d'Ogon. Et cet œuf, vous le voyez, est constitué de quatre parties que sont l'eau, l'air ou l'éther, le feu et la terre. Vous devez toujours avoir comme point de départ cette représentation, parce qu'elle résume en quelque sorte ce que nous avons d'essentiel lorsque nous parlons de spiritualité. Voilà, donc elle résume réellement de manière tout à fait et j'allais dire permanente, est-ce que nous disons de plusieurs façons ensuite sur le vivant, sur la création, sur Dieu. Voilà, donc cet œuf est constitué de quatre parties, euh, et ces parties sont en réalité des couples, des couples, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a huit personnes à l'intérieur de cet œuf, parce que ce sont des couples de jumeaux de sexe opposé. Qui constitue chacune de ces parties. Donc, l'eau, par exemple, est constituée d'une un, partie mâle et d'une partie femelle, le mâle étant représenté par la, le chiffre 3, la femelle étant repré représentée par le chiffre 4. La somme donne 7. 7, c'est le chiffre du couple, c'est aussi le chiffre de la personne. Alors, je tiens aussi à dire que euh, vous n'êtes pas tous égaux devant la connaissance de ces choses, parce qu'il y en a, évidemment, parmi nous qui sont, qui sont au module 1, il y en a d'autres qui sont au module 2, il y en a d'autres qui sont au module 3. Je sais que ceux qui sont au module 3 auront certainement une meilleure compréhension de ce que je vais dire aujourd'hui. Mais, mais cela n'empêchera pas aux autres, évidemment, de poser des questions. D'accord? Euh, je vais essayer de vraiment de présenter les choses le plus simplement possible pour que vous ne soyez pas, disons, perdus, en hein, quelque sorte, pour que vous puissiez vous, vous retrouver d'une euh, certaine manière dans, dans ce que je vais dire. Même si je sais pertinemment qu'il y a des bouts qui vont évidemment vous échapper. Et moi-même, je ne vais pas insister sur certains aspects aujourd'hui parce que euh, je sais que ça prend certains prérequis aussi pour vraiment aller dans le détail. Euh, je parle aussi même en le disant, je pense également même aux étudiants, aux stagiaires qui sont au module 3. Ils verront ici, je vais passer certains textes sans insister parce que je sais qu'on le verra par la suite évidemment dans, dans le détail. Donc, mais je vais faire des résumés pour vous expliquer le fond du fond. Voilà, ça suffira pour comprendre ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. Donc cet œuf, c'est le point de départ du discours général des peuples kémites sur la création. C'est le ventre des signes. Quand on parle des signes, on parle bien sûr des hiéroglyphes. Hein, c'est le départ, hein. puisque nous sommes des scribes. Eh bien, euh, c'est important pour nous de, 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 de rappeler quand même que les hiéroglyphes se tiennent déjà à ce niveau, et évidemment, puisque c'est la parole divine qui va donc surgir de cet de cette œuf au moment où Amma précisément, va surgir de cet œuf. Voilà. Donc, euh, je disais que cet œuf est constitué de quatre parties. Ces parties sont des couples, des jumeaux de sexe opposé. Donc, ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Et ils convergent vers un point central qui est une cinquième partie et qui représente le moniteur, c'est-à-dire le rédempteur, c'est-à-dire le nomo, si on veut, euh, le Fils de Dieu, c'est-à-dire le Fils d'Amma. Okay. Je pense que vous êtes quand même déjà familier de cette image. Je vais certainement y revenir à d'autres occasions, mais je voulais débuter par là. Ensuite, le discours qui soutient cet œuf est très important. Je vais ici rappeler certains, certains éléments qui vont nous permettre de comprendre sans doute mieux ce que je viens de dire. Amma est quatre clavicules jointes. Ce qu'on appelle les clavicules d'Amma. Ce sont ces quatre parties, c'est-à-dire ces huit ancêtres, qui représentent les quatre éléments primordiaux. Donc, quand on dit que Ama est quatre clavicules jointes et qu'on représente cet œuf, on est en train de dire que Ama sait, ou c'est, oui, la somme des quatre éléments soudés ensemble parce que le, nom, le mot Amma je l'ai souvent dit vient d'un verbe qui est le verbe Amma qui signifie tenir serré maintenir à la même place et on dit que Amma tient le monde en réalité les prières qui lui sont adressées sont essentiellement dans le but qu'il continue précisément de tenir le monde parce que c'est cet amalgame, cet alliage qui fait que nous sommes des êtres humains, puisque nous sommes à l'image de l'univers, c'est-à-dire à, à l'image de Dieu nous-mêmes. Le fait que nous ayons, que nous soyons la somme de ces quatre éléments fait automatiquement de nous, nous donne en quelque sorte une dimension, évidemment, euh, j'allais dire divine en quelque sorte, en tant qu'être humain. Vous voyez, donc ce n'est même pas un questionnement chez les peuples kémites que de savoir s'il si y a chez l'être humain une dimension divine. Ce n'est même pas un questionnement. C'est une évidence quand on comprend en fait les catégories sapiensales qui mènent précisément à la description de ce que nous appelons le mundu ou le mongo ou les, les Bambarans plusieurs noms. Il dit mogo, on peut dire on ma, on peut dire la personne, l'être humain. et ben, ça -mut, etc. C'est toujours l'expression de la, de ce qui est achevé, fini, complet. Parce que ces quatre clavicules jointes traduisent le concept de complétude, c'est-à-dire d'unité. Parce que j'ai souvent insisté pour rappeler que l'unité, c'est le premier principe et c'est le souverain maître. Il n'y a rien au-dessus de l'unité. Et Ama, puisque son nom signifie tenir ensemble, c'est-à-dire que sa, sa fonction, c'est de faire l'unité. Voilà pourquoi, quand on dit Amani, par exemple, en Swahili, on, et qu'on traduit ça par le mot paix en français, ça traduit le fait d'être soudé, d'être ensemble. C'est ce que ça veut dire. Et évidemment, en arrière de cela se tient des institutions très importantes, évidemment, notamment. J'en ai souvent parlé de la Salankunya. On peut également parler de l'Avonkula. Bref, il y a plusieurs institutions qui témoignent de cette compréhension que nous avons de, de la personne, de l'être humain. Donc, Amma est quatre clavicules jointes. Quatre clavicules jointes, c'est-à-dire les quatre éléments fondamentaux qui sont constitués de paires de jumeaux de sexes opposés. Okay? Il n'est que ces quatre clavicules. On dit les quatre clavicules d'Amma sont jointes ou collées, forment ou sont une boule. Okay? Donc, les quatre clavicules d'Amma, jointes ou collées forment ou sont une boule. Voilà pourquoi. Quand les Dogons parlent de l'alliance cathartique, ils l'appellent mangu, mangu, qui signifie la boule. D'accord Littéralement, Mangu, ça veut dire la boule. Mais c'est le nom que les Dogons, à la différence des Bambara et Malinke qui utilisent le terme Sanankunya, eux, ils disent Mangu, qui signifie la boule. D'accord C'est-à-dire l'alliage, l'alliance, le cercle, bref, c'est-à-dire l'unité, parce qu'en arrière-fond, quand on décrit un cercle, nous sommes en train de parler de l'unité. L'œuf est un élément fondamental qui traduit précisément cette, ce concept-là. Amma est quatre clavicules jointes. Il n'est que ces quatre clavicules. On dit les quatre clavicules d'amma jointes forment une boule. Et on ajoute, après cela, il n'y a rien. chose relativement claire, Ama est quatre clavicules jointes, il n'est que ces quatre clavicules jointes, c'est-à-dire ces quatre éléments fondamentaux que sont l'eau, l'air ou les terres, le feu et la terre, sachant que ces éléments que je viens de citer sont eux-mêmes constitués de paires de jumeaux de sexe opposé, c'est-à-dire l'eau, c'est... Un couple, le feu, c'est un couple, la terre, c'est un couple, l'éther, c'est également un couple. Donc, dans cet œuf se tiennent en réalité huit personnes, si vous voulez, je vais les dire de cette façon pour me faire comprendre, huit personnes qui forment des couples et qui sont jumeaux, évidemment, de sexe opposé. Bon. En général, il y a évidemment des principes qui dominent chacun de ces éléments. On dira, par exemple, que l'eau, et la terre sont féminins l'air et le feu sont masculins d'accord et ce n'est pas une mince une simple idée que de le dire de cette façon mais aujourd'hui nous n'aurons pas le temps d'aller dans le détail des conséquences de cette description mais je veux quand même que vous sachiez que dans ces couples il y a des principes dominants et des principes euh, je vais dire récessifs Ouais, je peux le dire de cette façon, si vous comprenez ce que j'essaie de dire. Euh, donc, ça veut dire que, par exemple, quand on parle de l'eau et de la terre, le principe dominant c'est le principe féminin. Et vous allez voir la conséquence de cela dans l'organisation de l'univers, parce que je vais en parler. Si je m'en, si je ne m'en rappelle pas, bon, et la mémoire hein, d'attirer de de de, de, mon attention, parce que j'ai beaucoup beaucoup de choses à, à vous dire aujourd'hui. Je peux oublier évidemment parce que je n'ai pas, je ne suis pas en train de lire un texte. Donc tout, tout ceci, c'est l'inspiration qui naît de la pensée au moment où je je, for, je, je je formule la pensée en soi. Donc je peux oublier. Alors, si vous n'attirez pas mon attention, c'est sûr que je peux oublier. Ok, mais il y a une conséquence à tout ceci. Quand on dit que l'eau et la terre, c'est un principe, le principe dominant c'est le principe féminin, et que l'air, le feu, le principe dominant c'est le principe masculin, il y a une conséquence à ça. Et vous verrez ce que c'est que Dieu à travers cette conséquence-là. Vous allez voir. Qu'est-ce qu'on appelle Dieu, en fait Voilà. Les graines. Parce que quelquefois, on remplace le mot jumeau, si vous voulez, par graines. On remplace le mot on va dire clavicule par graines. Parce que ce n'est qu'une question d'opportunité dans le discours. Mais on dit exactement la même chose. Donc, je vais déjà lire le texte, hein, ici rappelé par Germaine Dieterlin, et ensuite je vais le commenter. Les graines étaient jumelles. Quand on parle des graines, on parle donc de ces personnes, de ces huit personnes qui étaient dans l'œuf. On les appelle parfois des graines. Hein? Donc, souvent, pour parler des personnes qui constituent les éléments fondamentaux, on peut utiliser le mot graines. D'accord Parce que nous sommes une civilisation d'agriculteurs. Euh, évidemment. Euh, D'ailleurs, en le disant, c'est même une sorte. Vous allez dire de tautologie, puisqu'il n'y a pas de civilisation sans agriculture. Voilà pourquoi c'est la base. Quand on parle de civilisation, le discours qu'on construit vis-à-vis -vis de cette civilisation tient nécessairement compte du fait que c'est la graine qui a donné à l'homme la civilisation. D'accord Ceci est très important parce que ça permet également de situer dans l'esprit des uns et des autres ce que nous appelons non seulement la civilisation, mais également la question liée à l'origine de la civilisation, parce que les peuples soudanais... Je veux dire, la graine est, est, est à la base des constructions philosophiques et religieuses des peuples soudanais. Donc, ça montre clairement qu'ils sont à l'initiative de ce qu'on appelle la civilisation. Et ce fait est mieux expérimenté au Soudan occidental, par exemple, qu'en Afrique centrale, parce que le discours sur la graine en Afrique centrale n'est pas aussi important que le discours sur la graine chez les peuples soudanais, notamment chez les Dogons, les Bambara, les Malinkés. Voilà. Bon. À ma connaissance, je, je, je le dis de cette façon, mais j'en connais quand même pas mal, je dois vous le dire parce que euh, ce sont des questions qui me préoccupent depuis plusieurs années. Mais peut-être que je n'ai pas encore rencontré un ouvrage ou un initié, quelqu'un qui va attirer mon attention sur quelque chose de spécifique. Mais jusqu'ici, ce que j'ai vu, c'est ça. Et c'est ce que je partage avec vous. Les graines étaient jumelles et de sexe opposé dans l'œuf de Dieu, dit œuf du monde ou placenta du monde souvent représenté ouvert par un dessin en forme de fleur à quatre pétales orientés qui sont nommés les quatre clavicules de Dieu. Ça aussi, prière de le noter, si je n'en parle plus, je pourrais l'oublier parce que j'ai beaucoup de choses je voulais dire à dire aujourd'hui, mais je sais précisément de quoi il parle ici. Sauf que ce serait prématuré pour moi de vous en parler maintenant, mais à la fin, si vous vous souvenez de ce que je suis en train de dire maintenant, eh bien prière de de attirer mon attention sur ce fait et je vais vous expliquer ce dont parle ici Germaine Diterlin. Les graines étaient jumelles et de sexe opposé dans l'œuf de Dieu. Donc il y en avait huit. D'accord Les graines étaient jumelles et de sexe opposé dans l'œuf de Dieu dit œuf du monde ou placenta du monde. Cet œuf peut être appelé le placenta. Hein? C'est le lieu où. L'univers a gesté. D'accord Donc, on peut dire œuf, on peut dire placenta, etc. Tout ceci renvoie à la même idée quant au fond. Les graines étaient jumelles et de sexe opposé dans l'œuf de Dieu, dit œuf du monde ou placenta du monde, souvent représenté ouvert par un dessin en forme de fleur à quatre pétales orientés qui sont nommés les quatre clavicules de Dieu des quatre clavicules de Dieu. Donc, à ce stade-ci, qu'est-ce qu'on peut retenir d'essentiel Puisque le sujet, l'intitulé de cette, de cette assemblée, l'ordre du jour de cette assemblée générale, c'est les clavicules de Dieu. Donc, s'il faut faire un résumé jusqu'ici, on dira évidemment que les clavicules de Dieu sont ces quatre éléments fondamentaux qui sont constitués de graines jumelles et de sexes opposés. Évidemment, cela engendre le fait qu'au niveau du compte, nous aurons un résultat de huit graines, de huit personnes. J'espère que chacun vraiment comprend ça. Si, si c'est le cas, euh, c'est ce bien, parce que c'est la base. Et je sais que, comme je l'ai dit, on n'est pas tous rendus au même niveau dans les, euh, la compréhension des choses. Mais je prends le temps réellement de, de l'expliquer. Et d'ailleurs, je prendrai une seconde s'il y en a parmi vous, parce que quand ça va démarrer, ça va démarrer. S'il y en a parmi vous qui ont des questions ici, prière de lever la main et leur, la parole leur sera donnée. Si vous avez des questions portant sur ce que je viens de dire, parce que si votre question porte sur ce qui va arriver, je vais vous dire que ça va arriver. Mais de ce que je viens d'exposer ici, s'il y en a qui ne comprennent pas, euh, quel que soit l'aspect. Euh, prière, réellement, d'attirer mon attention sur, sur, sur cela. Je vais prendre le soin de redire ce que je n'ai peut-être pas clairement dit. Merci. Diane, vous avez la parole euh, d'accord, oui, c'était juste pour appuyer au fait ce que le professeur disait. Au fait, euh, lorsqu'il dit que l'eau et la terre sont des principes féminins, parce que moi, je m'intéresse à la spiritualité Congo. Et en recherchant mon nom, en fait, il, je m'appelle Ibinga. Et euh, du coup, le, le, le nga, au fait, c'est le fluide euh, primordial. Donc, tout ce qui est eau, tout ce qui est liquide, c'est, ça représente le, le sanga, au fait, le nga, ça représente le fluide primordial. Et d'où les, le nom par exemple, de la mer, on dit par exemple, pour dire la mer. Et donc, c'est un principe féminin, en fait. C'était juste pour appuyer un petit peu ce que le professeur disait. Maintenant, nous allons parler, donc, des nombres sacrés. Et c'est cette partie, en réalité, euh, que j'ai voulu simplement survoler. Parce qu'il y aurait beaucoup de questions, je sais. Parce que qu'évidemment, il y a beaucoup de choses à dire. Parce que toute la science qui est es fondée là-dessus. D'accord Donc, je ne vais pas, moi, aller dans le détail. Aujourd'hui, ce serait prématuré. Et de toute manière, même en l'expliquant, je ne suis pas sûr que il y aura quand même la compréhension au bout, donc à quoi bon Pour l'instant, ça ne sert pas à grand-chose, mais puisqu'il y a un résultat auquel on parvient à la suite de ce que je vais vous présenter, c'est ce résultat qui va nous intéresser parce qu'il suffit à date pour expliquer la suite. D'accord Bon, donc je vais lire peut-être une ou deux fois ces trois textes, une ou deux fois, ça dépendra comment je vais sentir la chose. Et. On va ensuite aller à la, à la description récapitulative en quelque sorte. Chez les Bambara et les Malinké, comme chez les Dogons, qui sont d'origine malinquée, on dit que chacun des éléments constitutifs de cet œuf primordial que je viens de vous présenter est formé d'un couple de jumeaux du sexe opposé. Je viens de le dire. Ce qui signifie que cet œuf est constitué de huit personnes. Je viens de le dire. Le chiffre 8 qui représente quatre paires de jumeaux est le symbole de la quadrigéméléité. Dans En quadrigémelléité, il y a quatre. Donc, le chiffre 8 qui représente quatre paires de jumeaux est le symbole de la quadrigémelléité. La valeur numérique de ces quatre paires de jumeaux 28. Je vais l'expliciter rapidement à travers un tableau que vous connaissez pour certains tout au moins sans doute déjà. La valeur numérique de ces quatre paires de jumeaux est 28 puisqu'on attribue à l'homme le chiffre 3 et à la femme le chiffre 4. Chaque paire de jumeaux formant un couple. Donc 7 plus 7 plus 7 plus 7, ça fait 28. 4 fois 7, c'est 28. Voilà pourquoi je parle ici de 28. Cette représentation est à la base. Cette représentation est à la base du système des alliances des peuples subsahariens en général et soudanais en particulier. Posons que A, B, C, D sont les jumeaux de sexe masculin et A', B', C', D', les jumeaux de sexe féminin, c'est-à-dire les jumelles, nous obtiendrons le tableau que voici. Les huit jumeaux primordiaux, déclinés par couple, A, A', on va dire que c'est l'eau, B, B', on va dire que c'est la terre, C, C', on va dire que c'est le feu, et D, D', on va dire que c'est l'air ou les terres. Okay? Donc, quatre couples, huit jumeaux. Quatre paires de jumeaux primordiaux qui sont les ancêtres de l'humanité parce qu'ils ont des noms. Hein? Je vais les présenter tout à l'heure. Maintenant, ici, vous observez la récurrence du chiffre 8. D'accord Bon. Sachez que ce n'est pas un hasard, évidemment, si, dans le cas de l'école des scribes, j'ai choisi d'insister sur ces aspects. Parce que nous répondons d'une tutelle. Cette tutelle, c'est Tot. D'accord C'est son chiffre là, le 8. Euh, il était, je vais dire, la divinité, entre guillemets, tutélaire, tout au moins la divinité tutélaire d'un clergé très important. Dans une ville importante que les Grecs ont appelée Hermopolis. C'est de cette ville que vient le discours que je suis en train de vous rappeler ici. Parce que la tutelle que nous revendiquons dans le cadre de l'école des scribes, c'est la tutelle du maître de la parole divine, c'est-à-dire Tot. Parce que nous sommes des scribes, cela va sans dire évidemment. Voilà. Mais vous verrez que, le disant de cette façon, je suis aussi dans un discours, en quelque sorte, qui permet d'expliciter la cosmogonie héliopolitaine, qui est plus ancienne, certes mais qui est une autre manière d'approcher la question. Mais je choisis délibérément la tutelle d'Hermès ou de Todd Hermès, si vous voulez, parce que nous sommes des scribes. Et parce que vous allez voir que, quant au fond, c'est extrêmement fort, extrêmement puissant. Vraiment, euh, j'en parle, même j'ai la chair de poule, <laughs> mais, mais c'est tellement puissant. Donc, pour l'instant, je l'ai dit de telle façon parce que vous devez savoir euh, revendiquer. Hein, quand même une, une autorité lorsqu'on parle de ces questions. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé, nos ancêtres étaient très forts. Nous ne faisons que tenter comme ça de marcher dans leurs pas et à travers ce, ce cheminement, bien sûr, de saisir, disons, l'importance euh, de, de, de ce que les peuples kémites ont, ont donné à l'humanité, en quelque sorte. Donc, je suis en train de parler des huit, c'est-à-dire de l'Ocdewad, en réalité, c'est-à-dire les huit ancêtres primordiaux, qui se tenaient dans le noun. Le noun, c'est ce placenta divin, ce ventre des signes. C'est ça qu'on appelle le noun, de manière littérale, quand on veut aller vite. D'accord L'œuvre primordiale, c'est ça. Ce n'est pas autre chose, le placenta. C'est ça que j'ai présenté avec les quatre éléments fondamentaux. Voilà pourquoi, par exemple, dans le Timé, Platon, lorsqu'il parle de ces, de ces quatre éléments, il parle des quatre genres. Il utilise cette formule, parce qu'il a étudié cela à Héliopolis, bien sûr, sans nommer évidemment ses sources, ce que Shakanta Job a d'ailleurs su remarquer et ce n'est pas difficile de comprendre que en fait dans le Timé, ce que platon raconte c'est la cosmogonie l'opolitaine bien sûr. Voilà. Bon, mais il n'a pas disons l'absolue connaissance des faits parce que ce que nous allons ce dont nous allons parler aujourd'hui est au-dessus de tout ce que la Grèce a produit comme si, comme comme philosophie honnêtement, je le dis avec modestie parce que je sais que peut-être qu'il y en a parmi vous qui considèrent que la philosophie grecque vraiment c'est euh, après ça c'est le soleil non. Ils étaient à l'école en Afrique, c'est-à-dire à, à Kemet. Et croyez-moi, ils ont pris beaucoup, mais il y en a beaucoup, qui il y a, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas compris eh, parce qu'ils n'avaient pas eh, peut-être le souci de le comprendre ni les moyens même d'en de, de, saisir l'importance. Et c'est ce que nous allons voir, c'est-à-dire nous allons nous détacher nettement de ce que les Grecs ont pu avoir comme euh, euh, ressource par la voix de nos ancêtres pour montrer ce que nos ancêtres réellement avaient d'essentiel, ce qu'ils ont caché. Et les motifs qui font dire que la philosophie Négro-africaine. La philosophie des, des peuples kémites est au-dessus, mais très largement, de ce que les Grecs ont pu produire comme connaissance, même si cela n'est pas pour nous une manière de diminuer leur mérite, car ils se sont beaucoup exercés à comprendre des choses compliquées. Ce que nous devrions peut-être aussi commencer à faire, parce qu'il y en a beaucoup qui, par les temps qui courent, passent beaucoup de temps dans ce que je, je peux considérer comme étant des futilités. Bon. Donc, les huit jumeaux primordiaux se déclinent sous la forme de quatre couples qui représentent les quatre éléments fondamentaux qui sont les clavicules. N'oubliez pas cela. Les clavicules d'âme, les clavicules de Dieu. Dieu, Dieu n'est que cela, c'est-à-dire que Dieu est huit, si vous voulez, à la base. À la base, parce qu'il est beaucoup plus que cela, si on va dans le détail. Mais si jusqu'ici, c'est ce que je suis en train de vous dire. OK Les quatre paires de jumeaux primordiaux, euh, voilà, nous avons donc les quatre paires. Quand on fait la c'est-à-dire... On, 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 on Solutionne ce que nous disons à travers les chiffres, nous obtenons 28, qui est la somme de 4 fois 7, 28 étant par le système euh, de numération soudanais, et, étant égal à 10, et 10 étant évidemment l'unité. Donc, quand je dis 8, je dis 1, en fait. Euh, C'est parce que je, je suis dans une description, euh, un dénombrement qui peut paraître euh, complexe. On peut imaginer que je suis en train, de, en train de, 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 de présenter un système où il y aurait plusieurs dieux, plusieurs choses. Non, non. Je suis en train de parler de l'unité, mais dans son essence. Parce que l'unité, c'est le premier principe. Il n'y a rien au-dessus de l'unité. Donc, tout est dans l'unité. Vous pouvez compter autant que vous voulez, vous n'allez jamais sortir de l'unité. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, je vous présente maintenant l'Énéade, parce qu'il faut quand même en parler un peu. Euh, si j'étais héliopolitain... Mais moi, je me revendique hermopolitain. Si j'étais Héliopolitain, je vous dirais, je vous présenterais la chose de cette façon. Je dis la même chose, mais différemment. Ici, vous avez les Néades Dogon. Les Néades Dogon. Euh, donc les neuf dieux primordiaux qui sont les neuf ancêtres de l'humanité. Vous avez Nomo au centre, j'ai mis entre guillemets pharo, parce que Nomo et Pharo, c'est la même chose. Pharo, euh, c'est chez les Malinké, Bambara et les Bozo. Nomo chez les Dogon. Donc, vous avez au nord, Lebeseru et sa jumelle qui est appelée Yassa. Vous avez au sud, Djonguseru et sa jumelle qui est appelée Yassa. Vous avez à l'est, et ces positions sont définitives et permanentes. Il ne faut jamais, il n'est pas question de changer quoi que ce soit. Hum? Les points cardinaux correspondent à ces ancêtres-là. Donc, quand on s'adresse aux points cardinaux, c'est à eux qu'on parle en réalité. Euh, il, y a, il y a des rituels. Euh, très importants qui, 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 qui font écho de ce que je suis en train de dire ici. Binouseru est à l'est et sa jumelle s'appelle Yasa. Amaseru est à l'ouest et c'est sa jumelle qui a un nom différent. Elle s'appelle Gosa qui signifie, si on veut traduire en français, quelque chose comme la sœur de la danse. Quelque chose comme ça. Parce que Go, chez les Dogon forme Gogone, c'est-à-dire le griot ou le djeli si vous voulez. Donc, il y a évidemment des correspondances importantes aussi. Mais je ne vais pas aller dans le détail ici pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Donc, ils sont huit autour de, du nomo, qui est le moniteur, qui est le centre, le point de jonction de ces éléments, c'est le nomo, qui est le rédempteur, le point central de l'œuf. Okay? Et en réalité, ces ancêtres et leurs et leur jumelles que je suis en train de nommer sont des morceaux, les morceaux du corps du nomo. Parce que quand il a été éparpillé, c'est eux là qu'on a éparpillé les binouseru, tiongouseru, amaseru. D'accord Donc, en réalité, ils forment une unité, bien qu'ils soient huit et puis neuf, en comptant le moniteur. Donc, ils sont effectivement une énéade, mais vous verrez qu'entre huit et neuf, la seule différence, c'est la considération qu'on a pour l'entité euh, formée par le, le nomo. Mais le nomo, c'est la somme de ces huit. C'est lui la somme. Donc, quand on parle de lui, et on peut parler aussi de l'unité, et ça permet d'évacuer les ancêtres en quelque sorte, mais quand on veut aller dans le détail, nous avons l'énéade. Donc quand on parle de l'énéade, en fait nous parlons de l'unité aussi. Mais c'est une autre manière d'approcher la question. Voilà pourquoi les héliopolitains ne disent pas autre chose que ce que disent les hermopolitains. Okay. Sauf que nous avons choisi la tutelle de Toth en tant que scribe, et c'est ce qui va nous mener le plus loin, quand même, je dois vous le dire. D'accord Donc, si ce que je dis est clair, je vais juste reprendre ceci pour que ce soit bien clair. Je dis que, au centre, et c'est comme ça qu'on représente aussi l'énéade, hein, parce que souvent je vois, en euh, bon, égyptologie, ils font un peu des, des, des diagrammes un peu comme ils veulent là. Non, c'est faux. Il faut quand même avoir le souci des points cardinaux. C'est un minimum, Voilà, parce que l'univers est construit sur cette base, c'est une croix qu'on représente. Et la croix, c'est le paradigme qui émite par essence même. D'accord et le nom où est au centre, c'est le, le Rédempteur, bien sûr. Donc, au nord se trouve l'Ebesséru et sa jumelle Yassa. Yassa, euh, c'est Yassit en copte, c'est Isis. C'est ce nom qui devient... C'est ce qu'on ce qu écrit quand on écrit Asset en égyptologie. Là. Donc, tous ces Sérous-là, c'est Osiris, en fait. Ça, vous devez le savoir aussi. C'est pour ça que exemple, je dis qu il est la somme. Parce qu'en réalité... Lui démembré, c'est-à-dire le nomo démembré démembrer, donne à ma seru, lebe seru, binu seru. Jungu seru. Mais tous signifie euh, signifie le témoin. D'accord Et c'est le nom d'Osiris. Donc voilà comment on comprend la dialectique du couple Isis-Osiris. Parce qu'en fait, quand on parle d'Isis-Osiris, habituellement, on ne voit qu'un qu homme et une femme. Bon, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça quand on rentre dans le détail. Parce qu'il y a des considérations que l'égyptologie ne rend pas, puisque c'est ésotérique. Donc plus tard a, a, a eu connaissance jusqu'à un certain niveau, mais euh, quand lui cesse de comprendre, c'est là où les Dogons commencent à parler en fait. Vous devez savoir que voilà, il y a un moment donné où on se détache nettement de ce qui, est, de ce qui peut être dit au niveau de l'Égyptologie. Et je parle même comme ça en passant, mais c'est très important ce que je vous dis là, parce que vous devez savoir que beaucoup parlent, d'Isis sans avoir une moindre idée de ce que c'est, mo la moindre idée. Pourtant ils écrivent des gros livres, hein, ils font des conférences. Ils bavardent, ils bavardent, mais ils ne savent pas. Ils savent pas. Pourquoi Parce qu'on euh, a souvent ignoré le fait que ce pas, ça n'a pas disparu. Euh, non, c'est les fondations de ce qu'on appelle la civilisation à Kama. Et donc, ça ne peut pas disparaître. Il s'agit simplement de comprendre comment la chose. Parce que quand on expose des images, derrière, il y a tout un discours général sur des choses très importantes. Et ce sont ces choses pour nous qui sont essentielles dans la démarche de la lecture analytique parce que l'Afrique est essentiellement offre ligne de ceci. Moi, parler d'Isis vous irez ça ne m'intéresse pas parce que beaucoup en parlent. Bon, non, ce qui m'intéresse, c'est comment restaurer notre tradition ancestrale et pour cela, on a besoin d'avoir les outils et, et la méthode Kuma ça, ça fait, fait, partie, ça fait partie des outils qui nous servent précisément à rentrer tant au fond parce qu'avec ça, Personne ne viendra vous dire ensuite que la civilisation égyptienne est une civilisation venue d'Asie, je ne sais quoi. C'est-à-dire que la question est résolue d'elle-même. Parce que ça, c'est tellement spécifique au peuple kémite. Parce qu il y a que ça. Il n'y a que les, les kémites qui parlent comme ça. Il n'y a que eux. Et c'est ce qu'on retrouve. Donc, ça montre clairement la proximité naturelle de cette civilisation avec le peuple noir. C'est évident. Il y en a pour beaucoup. C'est encore un débat parce qu'on reste dans les apparences. Ah, on voit, on voit une fresque. Ah, il ressemble à un, à un, sémite. Il ressemble à un indo européen. On est dans les ressemblances. Non, on s'en fout de ça. Ça, ça compte pas. Parce que la civilisation, c'est pas la couleur de peau des gens. <laughs> la civilisation, c'est la pensée, c'est l'intelligence. Et comment elle se manifeste, c'est là où on sait d'où ça vient. C'est clair. Et la langue qu'il parle, parce qu'il y a ça, c'est dogon typiquement dogon. Il ça signifie littéralement la femme sœur. Il c'est la femme, ça, c'est la sœur. C'est ça qui existe, la femme jumelle. D'accord. Donc c'est clair. Au nord se trouvait donc Lebeseru et sa jumelle qui est Yassa. Au sud, Django-Seru sa jumelle qui est Yassa. À l'ouest, Amaseru et sa jumelle qui est Gosa. Et à l'est, Binu-Seru et sa jumelle qui est Yassa. Au centre, bien sûr, c'est Pharaoh. Et c'est Pharaoh qui se décline de cette façon. C'est lui qui va former les quatre éléments parce que chacun de ses ancêtres revendique un morceau un morceau. Voilà pourquoi chez les Dogons, ils disent que le corps de, de, du nom a été démembré en cinq morceaux. Il s'arrête à cinq. Parce que cinq, c'est quatorze. C'est un plus quatre. C'est cinq. Donc, quand il dit cinq, d'autres disent quatorze. Non, on est dans la même description de la même chose. Et cinq, c'est le nombre le chiffre de Koni. Koni, c'est l'autre nom qu'on donne à Mahangala, c'est-à-dire le Dieu suprême, autrement dit, Amma. D'accord C'est son chiffre. Bon. Donc nous sommes dans la description de la même chose. Voilà. Sauf que je voulais quand même parler de l'énéade parce que ça fait partie de nos catégories de compréhension. Sauf que nous avons choisi délibérément de répondre d'une institution qui est le clergé, on va dire, hermépolitain pour l'instant. Okay? C'est-à-dire ceux qui ont embrassé la figure de Thoth. Parce que c'est notre maître dans la, la connaissance des choses. Voilà. C'est huit Personnes qui représentent les quatre éléments fondamentaux forment ce qu'on appelle l'essence divine. Ces huit personnes qui représentent les quatre éléments fondamentaux forment ce qu'on appelle l'essence divine, principe spirituel dont hérite l'homme qui est, pour ce motif, regardé comme complet, fini, achevé, puisqu'on vous dit que ama n'est que ces quatre éléments fondamentaux, ça veut dire qu'une fois constitués et rassemblés ces quatre éléments fondamentaux, vous êtes à l'image de Dieu. Autrement dit, vous formez une unité, c'est-à-dire une complétude, une finitude, un, une entité accomplie. Voilà pourquoi les mots de la personne sont les mots de l'unité dans les langues africaines. J'en ai souvent parlé. Mogor et Mokor, par exemple, Mout et Mout, par exemple, etc. Voilà. Okay. Ces huit personnes, qui représentent les quatre éléments fondamentaux, forment ce qu'on appelle l'essence divine, principe spirituel dont hérite l'homme qui est, pour ce motif, regardé comme complet, fini, achevé. Puisque la somme numérique de cette essence divine correspond à l'unité. La tradition bambara donne parfois au demi-urge ou Dieu créateur que nous appelons Mangala le nom de Koni, qui peut littéralement signifier la plus petite des choses, la petite chose hein, de ko qui signifie chose indéterminée et ni qui est un, une terminaison pour signifier ce qui est petit. Donc quand on dit ko, il y a plusieurs significations que les les savants peuvent donner, mais koni littéralement signifie la petite chose, entre autres. C'est une désignation qui convient à la graine, c'est-à-dire au moniteur, c'est-à-dire aux iris, qui est Amma, quant au fond. Mais bon. Voilà. Donc, la tradition Bambara donne parfois au demi-urge, c'est-à-dire au Dieu artisan, au Dieu créateur, le nom de Koni, qui peut littéralement signifier la petite chose. Le nombre qui exprime, écoutez bien, parce que là, maintenant, on va démarrer. Hum? Comme j'ai dit, je ne vais pas revenir là-dessus parce que ce je... n'est pas nécessaire de vous casser la tête et essayer de comprendre. Ce qu'il faut des bouts qui vont vous manquer nécessairement. Donc, je vais juste lire et je vais faire la somme de tout ce qu'ils disent, hein, de tout ce que disent nos ancêtres. Voilà. Et là, vous allez comprendre. Même si dans le détail, vous n'allez pas tout comprendre, dans la somme, vous allez comprendre. Le nombre qui exprime en détail l'essence de Connie est 22. Parce que 22, c'est 4. 2 et 2, c'est 4. Les quatre éléments primordiaux. Ne perdez jamais cela de vie. Voilà pourquoi j'ai commencé par la base. Bon, maintenant, parce qu'on va démarrer, je vous ai dit, on va aller vers des chiffres euh, sacrés. Ils ne sont pas sacrés pour rien, ils sont sacrés pour les motifs que j'ai énoncés au départ. Le nombre qui exprime en détail l'essence de Connie est 22. Le sens du nombre 22 est le suivant. Dieu n'a pu faire le monde qu'en vertu de sa dualité mâle conjuguée à l'intelligence et à la fécondité dont il jouissait. Dieu n'a pu faire le monde qu'en vertu de sa dualité mâle conjuguée à l'intelligence et à la fécondité dont il jouissait. 22 se décompose par ailleurs en 7 plus 14 plus 1. Selon cette résolution, son sens est le principe primordial devenu personne, c'est-à-dire 7, se génère lui-même en 4 personnes, c'est-à-dire 14, autrement dit 2 mâles, soit 3 fois 2 égale 6, et 2 femelles, soit 4 fois 2 égale 8, puisque 3 c'est le chiffre masculin, 4 c'est le chiffre féminin. Okay? Donc nous obtenons 6 plus 8 qui est égal à 14. Donc je reprends. 22 se décompose par ailleurs en 7. Plus 14, plus 1. Selon cette résolution, son sens est le principe primordial devenu personne se génère lui-même en quatre personnes, fondue cependant en une seule unité. Donc, j'étais 1, je deviens 7, je deviens 14, je redeviens 1. Ok Par ces deux résolutions du nombre 22, parole mâle cachée, parole femelle divulguée. Alors, je vais, je vais vous dire quelque chose maintenant d'important. Dans les catégories sapiensales des Bambara, il y a deux conceptions qui sont fondamentales. Ce qu'on appelle la parole mâle et la parole femelle. La parole mâle, c'est la parole cachée. C'est le monde invisible. C'est le monde de Dieu. La parole femelle, je vais, vous allez comprendre ce que, pourquoi je dis ça. La parole femelle, c'est l'univers dans lequel nous vivons. Sachez que l'univers dans lequel nous vivons, son énergie, c'est le féminin. Le monde que vous voyez, son énergie, c'est le féminin. Pourquoi? Parce que ce monde que nous voyons repose sur deux éléments fondamentaux que sont la terre et l'eau. Le monde invisible, où se trouve Dieu, répond des deux autres éléments que sont l'air, c'est-à-dire le souffle et le feu. Donc, il y a une dialectique, j'aimais l'air entre l'univers manifesté dans lequel nous vivons, qui est féminin. Donc, pour parler un langage simple, le monde, l'univers, c'est la femme de Dieu. Si j'ai dit ça comme ça, peut-être que vous allez mieux comprendre. D'accord Bon, même si ce n'est pas clair, je ne sais pas comment le dire autrement. Mais, à ce stade-ci, on traduit ça dans le langage sacré par deux expressions très importantes. La parole mâle, parce que Dieu est perçu. Comme mal pour ce motif. C'est-à-dire, il est perçu comme un homme pour ce motif que ce qui est invisible et caché là, c'est le feu et c'est le souffle. Voilà pourquoi on dit que Dieu, voilà pourquoi on représente Osiris sous la forme d'un homme, sachant qu'en fait, il est androgyne. On aurait pu le représenter sous la forme d'une femme. Mais non, parce qu'on sait que puisqu'il est Dieu caché, d'accord, son principe fondamental, c'est le principe masculin, puisque le monde caché repose essentiellement sur les deux éléments fondamentaux que sont le souffle et le feu. Et ce qui est manifesté, ce que nous voyons, le monde tel qu'il existe, repose sur les deux autres, qui sont féminins, c'est-à-dire l'eau et la terre. Bon. Les Bambara traduisent cette dualité par la parole cachée ou la parole sèche, qui est le domaine de souveraineté du feu et du souffle, et la parole femelle ou révélée qui est le domaine de souveraineté de l'eau et de la terre. Bon. J'espère que c'est clair. Ces deux résolutions du nombre 22 parole mâle cachée, parole femelle divulguée qui se complètent et ne forment qu'une seule et même réalité. Nous pénétrons au cœur même enfin par ces deux résolutions, nous pénétrons au cœur même de la conception quadrigémellaire de l'univers exprimé par les nombres. C'est la clé, là. Okay? Car les deux sens de 22 correspondent en réalité à deux fois 22, c'est-à-dire 44. Ce nombre signifie, en l'instar de la décade, c'est-à-dire en l'instar du chiffre 10, la mesure de tout ce qui existe. C'est 44. Donc, je vais reprendre cette note. Ces huit personnes, qui représentent les quatre éléments fondamentaux, forment ce qu'on appelle l'essence divine, principe spirituel dont hérite l'homme, qui est, pour ce motif, regardé comme complet, fini, achevé, puisque la somme numérique de cette essence divine correspond à l'unité. La tradition bambara donne parfois au demi urge, c'est-à-dire à, à Koni, le nom de Koni, qui peut littéralement signifier la petite chose, c'est-à-dire la graine, qui c'est le Christ, si vous voulez. Qui si a parler un langage en, en vogue ces derniers jours, on dira le Christ. En sachant de quoi nous parlons, hein, évidemment, on n'imagine pas autre chose que connie. Bon, okay? Le nombre qui exprime en détail l'essence de connie, c'est 22. J'ai expliqué parce que 22, c'est 4. J'espère que c'est clair. Le sens du nombre 22 est le suivant. Dieu n'a pu faire le monde qu'en vertu de sa dualité mâle conjuguée à l'intelligence et à la fécondité dont il jouissait. 22 se décompose par ailleurs en 7 plus 14 plus 1. Selon cette résolution, son sens est le principe primordial devenu personne. Une personne, c'est 7. 4 plus 3. Le couple, le couple, c'est la personne, si vous voulez. Donc, quand on, par exemple, quand on se marie, c'est qu'on réalise, là, c'est la personne il faut quand même le savoir quand tu es en couple c'est qu'on réalise c'est la personne bon. donc cette, selon cette résolution son sens est le principe primordial devenu personne se génère lui-même en quatre personnes 14 c'est-à-dire deux mâles soit trois fois 2 égale 6 deux femelles soit quatre fois 2 égale 8 6 plus 8 égale 14 fondu cependant en une seule unité évidemment. Par ces deux résolutions du nombre 22, okay, parole mâle caché, j'ai expliqué ce que c'est, parole femelle divulguée, j'ai expliqué ce que c'est, qui se complètent et ne forment qu'une seule et même réalité, nous pénétrons au cœur même de la conception quadrigémélaire de l'univers exprimé par les nombres. Car les deux sens de 22 correspondent en réalité à deux fois 22, c'est-à-dire la parole cachée, parole mâle, correspond à 22, 4. D'accord Comme ils sont 8 à la base, il y en a un qui revendique 4. C'est la parole mâle, c'est-à-dire le feu et le souffle. 4 étant 22, hein? j'espère que vous comprenez. Il y en a l'autre, l'autre partie qui est le, la parole divulguée, c'est-à-dire femelle, qui revendique l'autre 4. Puisqu'ils sont huit, on divise par deux. J'espère que vous voyez le, le schéma. Okay? Quatre vont dans le monde invisible, quatre vont dans le monde divulgué. Ce qui va dans le monde invisible est réputé mal, puisque les entités qui dominent dans le monde invisible, c'est le feu et le souffle. Ce qui va dans le monde révélé ou divulgué, c'est-à-dire le monde femelle, euh, la parole femelle, quand on dit parole, sachez que, parce que nous sommes dans une description des hiéroglyphes aussi, bon, des signes en fait, parce que le, le monde a été créé par le verbe. Euh, J'utilise les mots de nos ancêtres. Et des catégories même soudanaises parce que vous devez dire la chose comme il faut. Mais j'aurais pu simplifier autrement, bien sûr. Mais je, je, je suis quand même un traditionniste ou un traditionnaliste dans ma démarche, c'est-à-dire un orthodoxe. Voilà. C'est pour ça que j'insiste sur la chose comme elle doit être dite. OK? Bon. Donc, vous avez donc la partie euh, révélée. Qui est sous la tutelle de l'eau et de la terre? D'accord? Qui est aussi carte, mais qui est en fait 22 plus que 2 plus 2 égale 4. Donc, il y a 2 fois 22 égale 44. 4 et 4, 44. C'est-à-dire 8. Plus que 4 plus 4 égale 8. Hum? Je reviens donc à, à, ma, à ma position de départ. Ce n'est pas parce que j'ai dit beaucoup de choses que j'ai dit autre chose. Vous devez juste comprendre comment la chose s'organise. C'est-à-dire, c'est un, une, une carte de l'univers. Hein? C'est le mystère des nombres. Là-dedans, là, vous avez tout. En fait, en réalité, c'est-à-dire, on ne peut pas euh, voilà. Je préfère le dire de cette façon parce que euh, je suis, suis peut-être qu'il y en a qui ne vont pas vraiment saisir les, les, le fond du fond, mais au moins vous avez la carte générale des choses. Ok? Bon. Par ces deux résolutions du nombre 22, nous pénétrons au cœur même de la conception quadrigémélaire de l'univers exprimé par les nombres. Car les deux sens de 22 correspondent en réalité à deux fois 22. Je viens d'expliquer pourquoi. 4 et 4, d'une part et d'autre. Donc, 22 et 22, ça donne 44, mais c'est une relation de gémelléité entre le monde visible et le monde visible. Entre le monde visible et le monde invisible. Le monde visible, c'est le féminin. C'est l'univers tel qu'il nous est révélé, tel qu'on le voit autour de nous. C'est dominé par les puissances féminines. Vous devez le savoir. Le monde invisible, de Connie. Parce qu'en réalité, quand je dis le monde invisible, je parle seulement de Dieu, c'est-à-dire Connie. Lui, là, c'est les puissances spirituelles, c'est-à-dire le souffle et le feu. D'accord bon. Et nous sommes en perpétuel échange. Il y a un échange perpétuel, puisque je vous ai dit que le monde révélé, c'est comme la femme de Dieu. Hein? C'est sa jumelle. C'est comme ça qu'il y a production de la vie. Bon. OK Et c'était une nécessité. Donc nous avons dans ce monde révélé autant de puissance que Dieu. Vous devez le savoir. Il a besoin de nous autant que nous avons besoin de lui. Vous devez aussi le savoir. Il n'existe pas sans le monde révélé. Et vice-versa, évidemment. Voilà, voilà la dialectique de base. Donc, il n'y a pas un Dieu tout-puissant et puis nous sommes faibles en bas. Non Ça, c'est une mauvaise façon d'approcher la question parce que les, les nombres ne mentent pas. D'accord Enfin bref. Donc, ce nombre signifie, à l'instar de la décade, c'est-à-dire 10, c'est une autre manière d'approcher la question. Je ne vais pas revenir, moi, sur comment on fait pour arriver à 10. Hein. Par le chemin du 8, je l'ai montré tout à l'heure, on parvient au même résultat. C'est toujours l'unité de toute façon. OK c'est la mesure de toute chose, c'est 44. D'accord 44, c'est la mesure de toute chose, la mesure de tout ce qui existe. Bon. En est, estimant avoir suffisamment insisté sur cet aspect, on avance. La parole mâle et la parole femelle ne sont, en effet, dans la mentalité Bambara, que la somme des trois fois quatre éléments additionnés selon leur nombre symbolique de mâle ou de femelle. Je peux admettre que ça va augmenter en complexité. Ne, ne vous arrachez pas les cheveux. Je vais faire un résumé général après. Je ne passerai pas beaucoup de temps non plus à vous expliquer toujours chaque détail, sinon nous sommes encore ici pour beaucoup de temps. Ça, je peux vous le dire. Mais je vais quand même passer dessus. La parole mâle et la parole femelle ne sont en effet dans la mentalité Bambara que la somme trois fois quatre éléments additionnés selon leur nombre symbolique de mâle ou de femelle. Cette somme est en réalité 42. Je vais vous expliquer pourquoi. D'ailleurs, ça vient là ensuite. Parce que quand je dis 44, en réalité, quand on compte, c'est 42, mais il y a une nuance qu'il faut introduire pour arriver à 44 et je vais l'expliquer ici. Donc, je reprends. La parole mâle et la parole femelle ne sont en effet, dans la mentalité Bambara, que la somme des trois fois quatre éléments additionnés selon leur nombre symbolique de mâle ou de femelle. Cette somme est en réalité 42, puisque 3 x 3, c'est l'air, 3 x 3, c'est le feu, puisque 3, c'est le chiffre au mal, et 3, puisqu'ils sont 3 x 4, les éléments, donc je pense que c'est clair, bien. Ensuite, 3 x 4, c'est l'eau, 3 x 4, c'est la terre. Mais comme chaque ensemble de paroles sèches ou de paroles humides, parce qu'on dit aussi parfois la parole sèche en parlant donc de Koni, c'est-à-dire de Dieu, c'est-à-dire de ce qui est invisible, et de paroles humides en parlant de l'univers du monde, ce qui est révélé eh bien, forme une unité en quelque sorte indépendante. 42 est complété par deux unités, ce qui donne 44. Parce que quand je constitue, d'une part, le monde invisible, c'est-à-dire la parole sèche, et d'autre part, le monde visible, c'est-à-dire la parole révélée, en soi, ces éléments constitués constituent en eux-mêmes, en soi, une unité. Voilà pourquoi on rajoute un, de part et d'autre. Okay? Voilà pourquoi on rajoute un, de part et d'autre, et on atteint 44. C'est cela. OK donc, la parole sèche, celle qu'a gardée coni, c'est-à-dire dans laquelle s'exerce le mystère, autrement dit le feu et le souffle, représente la moitié de cette somme. La parole sèche représente la moitié de 44. Là, on revient à quelque chose que j'ai déjà expliqué précédemment. La parole humide représente l'autre moitié de la même somme. Chaque moitié, cependant, est complémentaire de l'autre, car chaque élément de la création a son correspondant en c'est-à-dire dans le monde invisible. D'accord? Chaque, chaque chose que vous voyez dans le monde révélé, la parole humide, a son correspondant dans le monde non révélé, la parole sèche. Chaque chose. Il n'y a rien qui existe que vous voyez qui n'existe pas dans l'invisible, évidemment. D'accord? Donc, chaque moitié, cependant, est complémentaire de l'autre car chaque élément de la création a son correspondant en coni, c'est-à-dire amma. Les deux mondes sont les doubles l'un de l'autre. Les deux mondes sont les doubles l'un de l'autre, tant par leur en, tant, tant ensemble que par leurs composants. L'expression la plus parfaite de la quadrigémenalité est donc le nombre 44, puisqu'il traduit l'essence même des quatre jumeaux. Je ne vais plus expliquer pourquoi. J'espère que vous avez suivi jusqu'ici, au moins tout au moins ce que j'ai tenté comme ça d'expliquer. ok donc, l'expression la plus parfaite de la quadrigéméléité est donc le nombre 44, puisqu'il traduit l'essence même des quatre jumeaux. On serait peut-être tenté de croire, selon cet aspect de la cosmogonie Bambara, que ni le monde visible, ni le monde invisible ne se suffisent à eux-mêmes. Erreur! Il n'en est rien. La quadrigéméléité, tout en exprimant les rapports de dépendance entre les deux mondes, laisse à chacun d'eux une certaine autonomie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrainte. C'est comme un couple. Vous pouvez divorcer, si vous voulez, avec les, les j'allais dire, peut-être les avantages ou les désavantages que cela contient. C'est à chacun de faire ses choix. Vous pouvez vous marier, si vous voulez, en, si vous consentez à le faire. Donc, l'alliance-là avec Dieu est déconsentie. Vous n'êtes pas forcé. Mais il faut savoir ce que vous allez chercher dans l'alliance là. D'accord Ce que je dis là est fondamental. Et vraiment, j'espère que vous allez me comprendre. C'est à chacun de faire sa part de couple avec le monde invisible. Il n'y a pas sous la terre ou sous le soleil quelqu'un qui va faire sa chose et puis vous, vous dire de venir dedans parce qu'on vous a soit baptisé, soit je ne sais quoi, converti, je quoi. Mm -mm. Nous, nous marchons avec nos ancêtres. N'oubliez pas cela. Ce qu'ils ont fait, les alliances qu'ils ont tissées avec Dieu, c'est celles là dont nous répondons. Donc, nous devons nous inscrire dans ces alliances-là et non dans celles que d'autres sont venus nous imposer parce qu'ils avaient le, le bénéfice du feu, du canon, etc. D'accord Voilà. Et c'est consenti. Vous n'êtes pas obligé d'entrer dans une relation spirituelle avec le monde invisible. Vous n'êtes pas obligé. Vous allez avoir une vie, ça se voit, non, puisqu'il y en a sur Terre qui prétendent qu'ils sont athées. Est-ce qu'ils est qu est qu vivent moins Il y en a même des pans de l'humanité qui ignorent totalement ce monde invisible. Je pense par exemple aux Chinois. Les Chinois, ils ont une spiritualité qui est... Enfin, c'est la philosophie. Bon, c'est de belles idées, parce que j'imagine qu'ils ont quand même euh, le bénéfice de certaines choses, mais ils n'ont pas une spiritualité aussi sophistiquée que les peuples kémites, mais ils ne sont pas moins dans le monde. Chacun fait ses choix. Mais si vous choisissez, et ça doit être un choix délibéré avec les bénéfices et les contraintes que cela entraîne, mais nos ancêtres ont choisi pour nous, puisque nous sommes euh, les visages actualisés de ceux qui nous ont précédés, ils ont choisi pour nous, ils sont entrés dans une alliance avec Dieu et nous devons la respecter et nous devons nous inscrire dans la même alliance pour avoir les bénéfices qu'ils ont su euh, en tirer aussi. C'est simple, ce n'est pas compliqué. Donc il n'y a pas de ce point de vue euh, euh, de démarche euh, de prosélytisme, c'est-à-dire... Euh, comme procèdent certaines religions prétendument révélées. On voit même où se situe l'escroquerie révélée en vertu de quoi. Enfin bref. Donc, il faut bien comprendre ce que je suis en train de vous dire. C'est très important. OK Or, il n'en est rien. La quadrigeméliété, tout en exprimant les rapports de dépendance entre les deux mondes, laisse à chacun d'eux une certaine autonomie. C'est-à-dire, Dieu-même n'est pas obligé de vous calculer, n'est pas obligé de vous gérer. Il le fait s'il veut. D'accord s'il trouve son bénéfice à vous gérer, il va vous gérer. S'il ne le trouve pas, il va vous laisser là, vous serez comme une, une mauvaise herbe dans un jardin. Vous allez pousser comme ça. Et puis c'est tout, d'accord Parce qu'il est autonome. Et si c'est s'il trouve intérêt et pour trouver intérêt, c'est un peu comme une belle femme. C -à si euh, à un moment donné, elle a une préoccupation de, de se marier, elle va certainement se faire un peu plus belle que d'ordinaire pour intéresser les quelques margouillats qui sont dans le coin. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est à nous aussi de, de, de nous faire un peu joli pour intéresser Dieu, pour qu'il accepte une alliance avec nous. Et pour cela, ce n'est pas dans l'aliénation là. C'est tout le désordre qu'on voit là. Ce n'est pas ça. Ça, c'est du désordre. D'accord Il faut faire des choses sérieuses et devenir des adultes. Voilà. Bon. Cet aspect de leur pensée, les Bambara le traduisent par la façon dont ils comptent. Le triple mélange des quatre éléments à l'intérieur de chaque moitié de, quatre, euh, de 44. Comme j'ai dit, ne nous arrachez pas les cheveux. Je sais que ce n'est pas évident. C'est une question de prérequis. Je ne peux pas aller dans tous les détails. Vous imaginez, ce n'est pas possible. Mais j'annonce, j'annonce, d'accord Cet aspect de leur pensée, les Bambara le traduisent par la façon dont ils comptent le triple mélange des quatre éléments à l'intérieur de chaque moitié de 44. Dans chaque 22, disent-ils, le principe mâle, air et feu, est représenté trois fois, ce qui donne neuf. Le principe femelle, eau et terre, également trois fois, ce qui donne douze. À ces deux nombres, on ajoute un symbole de suffisance de chaque monde. On ajoute toujours un symbole de suffisance parce que c'est l'unité. Voilà pourquoi on compte 42, mais en fait c'est 44, puisqu'on rajoute l'unité qui en soi même constitue la parole sèche ou la parole humide. Donc, à ces deux nombres, on ajoute un symbole de suffisance de chaque monde et on obtient, tant pour le monde visible que pour le monde invisible, 9 plus 12 plus 1. 9 plus 12 plus 1 égale 22, c'est-à-dire 4. Chacun des deux mondes est donc un tout indépendant pouvant se suffire à lui-même de l'intérieur de son essence. Chacun renferme les deux principes mâles et femelles nécessaires à la durée de la vie. Ces nombres expriment la nature divine, l'essence des êtres et des choses, l'équilibre des deux mondes, visibles et invisibles, et l'origine de la création. Bon. Voici pour résumer ce que disent les Bambara avec des mots très compliqués. D'accord J'ai mis le bleu parce que les, le masculin se reconnaîtra. J'ai mis le rose parce que le féminin se reconnaîtra. Bon. Le masculin, c'est Amma, c'est Dieu. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Il représente, il incarne le chiffre 22 pour les motifs que j'ai expliqués aussi tout à l'heure, c'est-à-dire 4. Le féminin, c'est le monde qu'il a créé, l'univers qui est gérée par une puissance féminine. Dans l'absolu, c'est cela. Même si, je viens de l'expliquer, il y a aussi des conditions de maintien de la vie. Hein, parce que ce n'est pas absolu. Mais il y a des, j'allais dire, des, des, des orientations générales. Voilà. Et nous sommes dans une relation de couple. C'est un, un échange de type gémelleur, de type sanankunia. Sanankunia. D'accord C'est cela, la relation que nous avons avec Dieu et vice-versa. Cathartique. Bon. Donc, Amma, c'est le monde invisible. Voilà pourquoi d'autres l'appellent le caché. Bon, mais il y a une façon comme ça de dire les choses. Euh, ils ne savent pas nécessairement l'expliquer comme je tente moi de le faire, mais évidemment, il est caché pour ce motif-là. OK le, le feu et l'air, Caché pour ce motif-là. C'est ce qui domine dans la parole sèche. Le monde révélé que nous voyons autour de nous, c'est le, évidemment le féminin, je l'ai dit, c'est l'univers tel qu'il existe et qui, nous, et, qui nous, et, qui, et qui nous contient nous tous, évidemment. Et son chiffre, c'est aussi 22. Et quand, quand on additionne les deux, on obtient 44, mais 44, c'est 4 plus 4 égale 8. Donc, c'est une autre manière de parler de l'œuvre primordial, une autre manière d'arriver au même résultat. Donc, vous avez 22 plus 22 égale 44, égale 8. Les huit ancêtres primordiaux qui sont les huit graines, n'oubliez pas, constitutive des clavicules de Dieu. N'oubliez pas, c'est de cela que je suis en train de parler, même si depuis tout à l'heure, je n'ai pas prononcé le mot clavicule, je suis en train de parler de ces clavicules en réalité. Donc, bon, ok. Donc, voici en quelque sorte, pour résumer, ce qu'il faut, disons, au stade où on en est, ça là va vous suffire, sauf si vous souhaitez évidemment vous exercer à, à comprendre d'autres choses. Mais moi, j'ai pensé que pour un exercice comme celui que nous avons à, à réaliser aujourd'hui, ce n'est pas la peine d'insister davantage. Je pense que j'ai dit ce qui était essentiel. Voilà. Et euh, pour, pour ce qui concerne la suite, on aura toujours le temps d'y revenir, bien évidemment. Donc, vous avez le monde caché, dont le chiffre est 22 et donc il est caché il est invisible et, mais le mot objectif c'est la parole parole sèche la manière de nommer la chose en fait c'est la parole sèche et vous avez le monde révélé qui est la parole humide qui est féminin et nous sommes dans une relation une dialectique gemellaire de couple avec Dieu c'est une alliance d'accord consentie voilà on donne un peu il donne c'est un échange il prend de nous nous prenons de lui c'est ça la relation qu'il faut avoir. Et c'est une relation saine parce qu'elle est consentie. D'accord Il n'y a pas d'obligation. OK Alors, il faut savoir le bénéfice qu'on en tire. Voilà. OK. Donc, si ceci est clair, on va donc poursuivre. Puisque je, fais, je ne fais que parler du chiffre 8 depuis tout à l'heure et que nous sommes quand même des scribes. Okay? Le minimum, c'est quand même de dire mais comment nos ancêtres, là ils ont même 18 dans les, les, les signes. Des signes sacrés, des hiéroglyphes. Comment ils disent 8 Qu'est-ce que c'est que ce 8 Voici comment, en Égyptien pharaonique, on écrit 8. Euh, sachez que c'est le nom aussi d'une ville qui, que les Grecs vont appeler Hermopolis. Souvent, les égyptologues appellent cette ville Kemenou. Ils disent Kemenou pour dire la ville des 8. C'est la ville de Thoth, notre maître. D'accord Voilà pourquoi je vous ai dit que c'est un tutelle que nous acceptons parce que nous la comprenons. Et de 1 et puis de 2. Je veux dire, les résultats, c'est, ça suffit même à convaincre l'individu qui se pose quelques questions sur quel, quel, quel paradigme adopter. Je veux dire, je n'ai pas besoin de parler beaucoup. Je pense que vous avez quand même, si ce n'est un début de certitude, tout au moins le sentiment vraiment de, 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 de vous exercer à comprendre des choses essentielles. Parce que c'est exactement de cela qu'il s'agit. Okay. Donc, voici l'expression du chiffre 8. En égyptien pharaonique, la considération, je l'ai dit, hein, les égyptologues font ce qu'on appelle une convention, ils translittèrent, autrement dit, ils attribuent des lettres alphabétiques aux signes. Ils vont donc transitérer Kemenu ». C'est comme ça qu'ils lisent la chose, ça signifie 8. Mais en fait, c'est 44. Hein. Je pense que je n'ai pas besoin de vous, de vous de revenir sur tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, parce que 4 plus 4 égale 8. Donc, quand je dis 8, là, sachez que ce n'est pas le 8 du latin, du français, ça c'est extrêmement pauvre. Vous devez savoir que nos ancêtres, là, quand ils font quelque chose, ils ne sont pas en train de jouer. Quand ils annoncent un chiffre, parce que le nombre ne ment pas, le nombre c'est la vérité. Vous ne pouvez pas vous tromper dans les catégories du dédombrement. Quand ils disent un nombre, ils ne sont pas en train de faire comme on fait en français 1, 2, 3, 4. Non, 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 non. Ça là, c'est des peuples qui ont hérité d'une connaissance sans avoir le fond du fond. Le nombre est vivant. Le nombre, c'est une puissance dans l'univers. D'accord Donc quand on compte là, c'est beaucoup plus, beaucoup plus que de se représenter la numération comme on le fait habituellement. Parce que vous allez voir, je vais vous expliquer, ce qu'ils disent dans 8, ce n'est pas du tout le 8 que vous croyez, pas du tout, mais pas du tout. Pourtant, c'est quand même 8, et vous allez comprendre par quel bout c'est 8. Mais ce n'est pas du tout ça, c'est un Dieu, 8. Vous allez le comprendre, d'accord Bon, donc, voici comment il représente 8. Un égyptien pharaonique, c'est Transithéré et nous Je l'ai dit, c'est le nom d'une ville que les Grecs m'ont appelée Hermopolis. Euh, voilà. Euh, ville aujourd'hui, euh, bon, elle n'a pas tout à fait disparu, mais l'urbanisme, l'Égypte moderne, a quand même très largement euh, attaqué les lieux et, et une possibilité aussi de, de, de faire des fouilles, puisqu'il y a des gens qui ont construit là. Donc, euh, on ne va pas casser leur maison. Donc, c'est un peu un problème aussi en Égypte aujourd'hui, mais avec un peu de chance, bon, pour ceux qui ont euh, avec nous le. Le privilège de faire le, le prochain voyage, ben nous ferons certainement une halte sur ces lieux, ne serait-ce que pour marquer le, le moment, parce que c'est notre point de référence. Là, c'est jouer tout ce que je suis en train de vous dire, parce que l'essentiel de ce que je vous dis là sort de là, ça vient de ces villes, d'accord, de ces lieux-là, parce que évidemment, c'est une, une manière de voir qui était euh, évidemment, euh, qui, qui, qui s'étendait à toute l'Égypte pharaonique, puisque... C'est le Dieu, le maître de la parole divine. Donc, ce n'est pas parce qu'il y avait là un clergé qui revendiquait spécifiquement sa tutelle qu'il n'était pas reconnu dans d'autres villes. Évidemment qu'il l'était, vous le savez, je pense que je n'ai pas besoin d'insister. Voilà, donc euh, c'est ça, voici donc 8. Bon, maintenant je vais lire, après je vais vous expliquer. Je vais lire, après je vais vous expliquer. Le Kemenu, que vous voyez là, le Kemenu 8 du lexique égyptien correspond exactement au nom de l'épaule. C'est-à-dire des clavicules. En Bambara, Kaman ou Kama, qui est aussi le nom de l'Égypte, le nom authentique de notre pays. D'accord Épaule, clavicule. Parce qu'en Bambara, on peut dire Kaman Kalandjiri, c'est la forme longue pour nommer les clavicules. Mais généralement, on dit Kama ou Kaman. C'est ce qui est écrit ici, exactement ce qui est écrit. Et si vous êtes attentif, vous voyez dans la graphie le nom Men, qui est Amma de jeu c'est net et de filet d'eau c'est men, c'est son nom c'est-à-dire être stable etc 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 derrière il y a une philosophie aussi de la gracie que je ne vais pas analyser aujourd'hui mais vous êtes des scripts, donc je dois vous en parler quand même mais je vais quand même aller dans la puisque c'est une politique générale que je suis en train de déployer eh bien je vais dans les solutions après les, les nuances elles sont extrêmement riches c'est juste le temps qui peut naturellement nous manquer pour aller aller dans ce détail le qu'aimez-nous que vous voyez là ce n'est pas directement le chiffre 8. Je vais vous expliquer. OK? Vous allez voir. Ce, ce, ce mot qu'ils écrivent ici correspond au nom de l'épaule en Bambara Malenke. Kaman ou Kama. C'est ce qu'ils ont écrit ici, qui signifie épaule ou clavicule. En Malenke, on dit Kaman, épaule. Cette relation est soutenue par les huit graines primordiales, images des quatre éléments que les Soudanais situent dans les clavicules et ils nomment ces graines. Po, c'est le fonio. Yu, c'est le petit mille. Emeya, c'est le sorgho femelle. Emepili, c'est le sorgho blanc. nous c'est le haricot. Ara, c'est le riz. Poli, c'est le sésame. Agni, c'est l'oseille, c'est-à-dire les biscuits, dire le bissap, si vous voulez. Graines qui jouent un grand rôle dans le système des alliances et lors des cérémonies d'imposition du nom au Soudan. Bon, maintenant, je vais faire une halte et je vais vous poser une question, ne me posez pas de questions. Moi, je vous pose des questions. D'accord On est bien d'accord. Et la question que je vous pose. Si vous avez bien compris ce que j'ai dit jusqu'ici. D'après vous, pourquoi le chiffre 8 en égyptien pharaonique désigne l'épaule. Voilà ma question. Prière d'être bref dans vos réponses et aussi clair que possible. Merci. D'accord, parfait. Donc, euh, en espérant que les interventions des uns et des autres ont pu clarifier peut-être des choses que je n'ai pas su dire moi de manière aussi, aussi claire, euh, l'idée, c'est réellement euh, de saisir cette, cette correspondance. Jusqu'ici, j'ai parlé beaucoup, mais essentiellement de la même chose, en réalité. Parce que derrière cette graphie se tient tout ce que j'ai pu dire avant, tout, absolument tout. Rien n'échappe dans ce contexte à l'expression du chiffre 8 en égyptien pharaonique, qui se résume par le nom que l'on donne précisément à l'épaule ou à la clavicule qui est kama ou kaman kama ou kaman c'est le nom de notre pays d'accord pour les motifs que on ne peut pas concevoir une nation sans euh, avoir en perspective tout ce que je viens de dire et vous le verrez par la suite mais je l'annonce déjà c'est la raison pour laquelle en Égypte vous avez 42 noms, parfois 44 c'est-à-dire 44 régions d'accord 44 districts et quand on parle de la Haute et de la Basse Égypte, nous sommes exactement en train de parler du monde visible et du monde invisible. La Haute Égypte étant revendiquée par le monde invisible, la Basse Égypte par le monde manifestement, c'est pour ça que les grandes capitales, l'une était consacrée à Amma, c'est-à-dire Thèbes, l'autre à Isis, c'est-à-dire Saïs, la femme. D'accord C'est-à-dire le delta. Voilà. C'est de ça qu'on parle quand on parle de l'union des deux terres. D'accord c'est de cela qu'on parle quand on parle de ce que d'autres appellent la cémataoui. Je vais vous le montrer tout à l'heure. C'est de cela qu'on parle. Voilà pourquoi une organisation administrative ne peut pas, ne peut pas se concevoir autrement qu'à travers l'expression de ce que je suis en train de tenter de rappeler ici, à travers les manifestations du chiffre 8, c'est-à-dire 44. C'est pour ça que dans le Mantiblong, que d'autres appellent le monde souterrain, le domaine d'Osiris, le tribunal d'Osiris, si vous voulez, c'est-à-dire le mandé, parce que c'est la mentie, si vous voulez, c'est de ça qu'on parle. C'est pour ça qu'il y a 42 juges, parfois 44, mais souvent c'est 42. Pourquoi À cause du fait qu'on rajoute pour le monde lui-même, visible et invisible, une unité, ça fait 44. Ils sont toujours 44. C'est la raison. Et vous voyez, ce sont ce genre, c'est ce genre de détails qui fait voir que ce sont les mandingues qui ont fait l'Égypte pharaonique. Vraiment. Parce que jusqu'ici, on peut parler d'un ensemble de choses, euh, se revendiquer de cette grande civilisation, parce que l'affinité existe. La pensée symbolique est la même. Est il n'est pas question d'imaginer que c'est un bout de kémite qui était particulièrement inspiré. Non. Sauf que, dans ce genre de détails, quand vous voyez Osiris assis dans le blanc c'est-à-dire le vestibule du mandé, si vous voulez, okay? en, en, en position de juge, et vous voyez 42 juges, c'est de cela qu'il est question. C'est-à-dire cette distribution géographique qui organise l'État pharaonique. La base, la base, c'est voilà pourquoi c'est Kama, Kama. Et vous verrez, je vais, je vais insister encore davantage là-dessus par ce, certains autres aspects. Mais à ce stade-ci, vous devez aussi enregistrer l'importance des graines et le nombre de ces graines, car ce sont des nourritures célestes. Ce sont ces nourritures qui nous ont donné la civilisation. Elles n'ont pas toutes, elles ne sont pas toutes de même nature, ni d'une égalité devant les assiettes, je dois vous le dire, parce qu'on ne mange pas tout n'importe comment, n'importe quand, mais elles ont aussi un ordre de préséance, bien sûr, ça je vais insister sur au moins une, une d'entre elles parce qu'elle est fondamentale pour comprendre la suite, mais la vérité, c'est que ces graines se tiennent dans nos clavicules. Quand je dis nos clavicules, c'est parce que j'adopte le paradigme soudanais, puisque c'est le paradigme que nous revendiquons dans le cadre de l'école des scribes. Les bozos remplacent les graines par les œufs de poisson, parce qu'ils sont pêcheurs, parce que les graines que vous avez dans vos clavicules, tout au moins les éléments que vous avez dans vos clavicules, dépendent de vos nourritures de base. Qu'est-ce qui a fait la civilisation chez vous Et chaque peuple en Afrique a toujours un mais, un rapport à une nourriture particulière. Et c'est le signe que c'est cette nourriture-là qui a permis au peuple de survivre par les temps les plus durs. Et ce, parce que vous verrez partout en Afrique, vous verrez, des peuples ont toujours des, des, des plats spécifiques à eux. Parfois, ça a disparu quand on a été écrasé par la colonisation, dispersé à gauche, à droite, mais il reste toujours des traces. D'accord? Et c'est à travers justement ces plats que se manifeste justement l'expression de, de l'acquisition de la civilisation. Comment le peuple a été civilisé? Parce qu'à travers les mets, les mets trahissent en fait la nature hein, des éléments qui se tiennent dans les clavicules. C'est cela. Et elles peuvent être remplacées parce que les dogons, sont des Keita. Quand ils vont dans un village malinqué s'installer, ils prennent le nom de Keita s'ils veulent. Ça veut dire qu'à travers l'initiation à l'école des scribes, puisque j'en parle euh, notamment pour ce qui concerne le module 3, vous allez avoir une imposition du nom. Ce sont des noms d'ogons. Automatiquement, vous allez rentrer dans cette dialectique et devenir des Keita. Je le dis de cette façon euh, parce que vous devez le savoir comment ça se passe. Je l'ai dit pour ceux qui ne sont pas avec dans le module 3, parce qu'ils vont aussi se de quoi je parle. En fait, en réalité, il y a plusieurs étapes. Dans ce module 3, il y aura évocation d'un ensemble de faits qui se rapportent au nom. Ce sont des noms Dogon. Il n'y aura pas une cérémonie d'imposition parce qu'elle est physique. C'est-à-dire que physiquement, il y a des choses qui doivent être faites. C'est-à-dire si je suis présent, je dois faire certaines choses pour l'imposition du nom. Donc, vous allez avoir le nom, mais vous ne pouvez pas encore l'adopter. Vous allez savoir le nom, mais vous ne pouvez pas le porter. Ça ne va pas avoir d'efficacité. Il faut qu'il y ait une cérémonie. D'accord Voilà. C'est pour ça que j'espère qu'un jour, malgré les difficultés liées à la condition sanitaire, on aura une assemblée qui, qui verra nous tous rassembler. Ce serait intéressant. Enfin, je le souhaite. C'est un vœu pieux On verra. Mais la réalité, c'est ça. C'est que... Euh, et de ce fait, de ce fait, vous rentrez dans la communauté, des fêtes parce que le nom que vous allez adopter, c'est un nom ancestral, vous allez voir. Et à la suite de cela, automatiquement, vous devenez des Keta, parce que tous les Dogons sont Keta, tous. D'accord Il suffit qu'il y en a un qui décide de s'appeler Keta, il a le droit. Voilà. Et euh, c'est un, une démarche, j'adopte cette démarche dans l'idée d'une restauration. Et, et pour aussi vous, 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 vous instruire sur l'importance de ce qu'on appelle les Jammu, c'est-à-dire les noms de clans, les noms de victoire. C'est important, parce qu'il y en a beaucoup en Afrique qui ignorent effectivement même l'importance du nom. D'accord Donc, enfin, c'est tout un univers. C'est tout un univers. Bon, évidemment, il n'y a, a, a là aucune obligation. Je, veux dire, je vais quand même vous poser la question avant de pour savoir si c'est quelque chose vers quoi vous souhaitez aller. Parce que à ma foi, peut-être que vous avez d'autres idées, ça. C'est un fait. Mais dans le cas de l'école des Scribes, nous avons une démarche qui est une démarche assumée. Nous travaillons à la restauration du patrimoine ancestral des peuples équémites à travers la lunette de l'Égypte pharaonique. C'est ce que nous faisons. Donc si vous acceptez cette vision, évidemment, elle vient avec des contraintes et voilà. Et sont, euh, parmi celles-ci... Euh, J'en décèle quelques-unes, notamment la question du nom. Voilà. Donc, le mot, je ne sais pas, kemenu, on va dire ça comme ça pour l'instant, 8, du lexique égyptien, correspond au nom de l'épaule. Bambara, kaman, ou kama, épaule, clavicule, malinke, kaman, épaule. Cette relation est soutenue par les huit graines primordiales, image des, des quatre éléments, qui les soudanais situent dans les clavicules, c'est-à-dire le fonio, le petit mille, le sorgho femelle, le sorgo blanc, le haricot, le riz, le sésame. Dans les assemblées importantes, c'est ce qu'on retrouve. Vraiment, vous devez vous familiariser sur ce. Que je pense que vous savez il s'agit, l'idée, c'est réellement d'avoir de, de, pers la perspective historique de ce fait. Et de savoir que, justement, quand on est en situation de manger tel ou tel main, vous pouvez avoir une attitude différente de celle qui se jette, de ceux qui se jettent simplement sur les plats parce qu'ils sentent bon, ils <laughs> Non, non, non. non, non. C'est de la spiritualité. Parce que ce sont ces nourritures qui nous ont donné la vie. Voilà. Graines qui jouent un grand rôle, évidemment, dans le système des alliances, des cérémonies d'imposition du nom, bref. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit que vous pouvez avoir le nom, mais vous ne pouvez pas encore réellement le revendiquer, le porter, parce qu'il faut qu'il y ait des cérémonies avec certaines graines, parce qu'il faut que ça se fixe dans les clavicules. Et il y a des façons de le faire. D'accord Ce n'est pas, tu t'appelles ceci et puis tu t'appelles ceci. Non. J'ai toujours eu le sentiment que pour faire quelque chose, vous devez d'abord comprendre. C'est pour ça que je prends la peine de vous expliquer avant. C'est-à-dire, si vous entrez dans une maison, vous devez savoir où vous entrez. Voilà et savoir quelles sont les contraintes éventuelles et puis les bénéfices éventuels. Mais c'est un contrat librement consenti, donc pas question de faire des choses que personne ne comprend, soi disant parce que c'est caché, c'est secret. Non, c'est l'intelligence. Nous sommes intelligents tous. Si nous sommes capables de le comprendre, enfin, si nos ancêtres ont été capables de l'énoncer, nous sommes capables de le comprendre. Donc il n'y a pas question de faire des mystères quand ce n'est pas nécessaire. Voilà. Donc ça c'est la première chose que je souhaitais réellement partager avec vous, c'est-à-dire la première chute, quand on parle maintenant des hiéroglyphes, voici comment la chose se résume à travers l'expression du chiffre 8, c'est le nom des épaules, ça c'est, vous pouvez avoir le sentiment qu'on est déjà au bout, ce n'est que le début les amis, ce n'est que le début parce qu'en réalité, vous verrez je, ici je sais que le temps file, donc je vais simplement maintenant énoncer un ensemble de faits qui vont peut-être vous surprendre, mais euh, je veux dire, c'est ça la puissance de l'esprit vous allez comprendre, maintenant je passe donc à la chose suivante, je vous présente M. Clavicule et M. Homoplate mais plus M. Clavicule, simplement pour que vous puissiez avoir ce qu'on appelle l'articulation de l'épaule. Voici M. Clavicule. On, je pense que nous avons tous des clavicules. Donc vous pouvez la toucher, la caresser, parce que nous sommes en train de parler d'elle. Et elle a beaucoup d'importance de, de, dans notre manière de voir le monde. C'est même essentiel. Si vous ne comprenez pas les clavicules, arrêtez de parler de spiritualité. Vous êtes en train d'embrouiller les gens. C'est-à-dire que vous faites du malaboutisme au sens où vous êtes en train de dire tout et n'importe quoi. Si vous ne savez pas, je le dis avec autorité, hein, si vous ne savez pas, le discours général des peuples kémites sur les clavicules, taisez-vous, ne parlez plus de spiritualité. Allez voir les pasteurs bonbons et puis amusez-vous avec eux. Mais arrêtez de nous parler de spiritualité. Ça, je le dis avec autorité parce que je sais de quoi je parle. D'accord? La chose est, maintenant, je vais, vous, je, je, je vais vous instruire à quelque chose de fondamental. En bambara, il y a trois manières d'exprimer l'unité selon le paradigme ou la référence qu'on choisit. On dit maninkeme pour dire 60 qui signifie littéralement le sang des Malinkés. On dit kemé pour dire 80, qui signifie littéralement le sang des bambara. On dit Silamia kemé pour dire sang, qui signifie littéralement le sang des musulmans. Ça, c'est tout à fait récent. Au moment où nous avons fait la civilisation, nous étions dans le compte de 80, c'est-à-dire 8. Kemé, D'accord? C'est le nom de l'Égypte Keme. J'espère que vous le savez, j'en ai souvent parlé. Quand on écrit... Kémé, être complet, et que le Copte dit Kémé pour dire Égypte, il parle de ça, c'est 8, 80. Parce qu'au moment où nous avons fait la civilisation en Égypte pharaonique, le conte qui dominait dans la société mandingue à ce moment-là, c'était le conte 80. Ça se voit à travers plusieurs éléments, plusieurs éléments notamment l'expression de l'unité. Okay? Donc, c'est le nom des, des épaules, c'est aussi le nom de la centaine. Mais la centaine, c'est l'unité, parce que en Bambara, Bamanan Kémé, 80 est vécu comme une unité, ça dépend du paradigme que vous adoptez pour compter. Si vous allez dans les marchés, vous dites, bah, Manane Kémé, on va savoir de quoi vous parlez. On va vous faire un tas hein, euh, qui, qui a pour valeur 80. Manin Kémé, on va vous faire un tas de je ne sais pas quoi qui a valeur, mais c'est toujours l'unité, on parle d'unité. Sauf que le rendu dans la numération, c'est 60, 80 et 100, mais c'est toujours l'unité et c'est toujours Kémé. D'accord? Bon. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Juste faire une note. Euh, rapide euh, en, en commentaire. Si vous comprenez, ça me permettra de, de valider cela et puis d'avancer. Alors, jean thierry dit OK. Je ne sais pas si OK, j'ai compris ou OK, c'est compliqué ou OK, je n'ai pas compris. Lénis dit Parfait. OK, jean thierry dit qu'il a compris. J'imagine que tu parles pour tout le monde. J'imagine aussi qu'écrire, c'est moins compliqué que prendre la parole. Donc, ce n'est pas le lieu d'être timide. Il faut vraiment... Euh, comprendre, vous devez comprendre ce que je dis, nous sommes là pour comprendre, d'accord Vous êtes euh, des, 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 des personnes qui vont avoir une, des rôles très importants. Je, je ne sais pas si vous le sentez déjà, je ne sais même pas, pas si vous le savez. Parce que sachez que ce dont nous parlons la personne ne sait ça, personne, personne, vous allez demander, personne ne le sait. Donc vous devez porter une parole très importante parce que c'est ça qui va faire la renaissance africaine. On ne peut pas faire la renaissance qu'on veut là sans comprendre ça, ce n'est pas possible. D'accord Dibombari, euh, il euh, Nicole qui a levé la main. D'accord, Nicole, on va prendre, euh, on va prendre Nicole. Euh, Excusez-moi, Dibombari, en fait, il y a quelque chose que je ne comprends pas au niveau de la graphie. D'après ce que vous dites là, euh, ça renvoie euh, à l'épaule. Mais pourquoi le script n'a pas représenté l'épaule ou une partie du corps qui renvoie à l'épaule sur sa graphie? C'est une, une excellente question. Je vais t'expliquer ça tout à l'heure. Parce qu'ils sont dans, le, dans les concepts, ce sont des philosophes. Ils représentent huit. Écoute, quand, quand tu es dans la société, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas tout le monde qui avait accès aux hiéroglyphes. C'était les élites du pays. Pharaon et sa famille, les prêtres, les, les ministres, les, les scribes. Et ça, le peuple du tout venant ne lisait pas les hiéroglyphes. Ça, c'est la première chose que tu dois savoir. Bon. Mais ils parlaient la langue, évidemment. La deuxième chose, c'est que quand tu es initié dans les écoles des mystères en Afrique, tu sais ça. Tu sais que quand tu vois 8, on parle des 8 graines. Tu n'as pas besoin de faire de dessiner l'épaule en déterminant. Tu n'as pas besoin de faire ça. Parce que l'épaule a un nom. Je vais vous le montrer tout à l'heure. L'épaule a un nom en Égypte pharaonique et vous allez voir à quoi ça renvoie. Mais pour l'instant, je vous dis à quoi renvoie le chiffre 8. Et ils n'ont pas besoin, et je le comprends aisément parce que j'ai compris le système, ils n'ont pas besoin d'avoir comme déterminatif l'image de l'épaule. Parce qu'ils savent que... Quand je dis huit, je dis clavicule, parce que dans les clavicules, il y a les huit ancêtres. 8... C'est d'autant plus que c'est le nom que prend une ville où s'est développée une cosmogonie basée sur l'Ogdoad. Donc ça ne peut pas être autrement. Et évidemment que c'est ésotérique, évidemment qu'il cache. Pour comprendre ça, il fallait faire le cheminement que vous êtes en train de faire. C'est pour ça que, évidemment, les égyptologues n'ont pas un début de compréhension de ces choses, parce qu'ils sont dans une autre manière de voir l'Égypte pharaonique. Mais pour comprendre ça, il faut être dans l'esprit, dans la tête du scribe. C'est-à-dire, il faut être dans la société égyptienne et là voir de l'intérieur et non de l'extérieur. Pour comprendre ce que je... Donc, il y a des graphies, vous le verrez comme celle-ci, qui représentent le chiffre 8 et souvent les nombres égyptiens, c'est ça. Parce que je vous ai dit qu'on ne compte pas 1, 2, 3, 4, et puis on croit qu'on a compté, ça, ce sont des histoires récentes. Non, 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 non. non. En Afrique, on ne joue c est, c est... C est... On ne fait pas ça. Les nombres sont des souverains, des catégories dans l'univers. Donc, ça va bien au-delà de ce qu'on croit savoir quand on dit 1, 2, 3, 4, non. D'accord Et si je donne l'exemple du chiffre 8 Et vous verrez que... Bon, parce que je n'aborde pas ça ici, là, je préfère ne pas le dire. Je... Bon. Donc, en gros, c'est ça. Pour répondre à ta question, pour être bien clair, c'est une question pertinente. Mais le script n'a pas besoin, n'a pas le besoin de dessiner l'épaule à ce stade-ci, parce qu'il parle quand même du chiffre 8, mais dans son paradigme, c'est-à-dire dans, dans la conception spirituelle, religieuse, philosophique du chiffre 8. Qui n'est pas qu'un simple chiffre pour compter les arachides, en fait. Donc, j'espère que tu saisis cette nuance, car c'est bien important de comprendre que les hiéroglyphes, c'est extrêmement riche. C'est-à-dire que derrière des apparences se cachent, sont parfois masquées des choses beaucoup plus puissantes, beaucoup plus importantes. Et quand on, a, on est justement dans le relief du dénombrement, j'ai tenté de le montrer tout à l'heure, toute la société solanaise est fondée sur la connaissance des chiffres. Le nombre, c'est notre maître. Parce que les nombres ne mentent pas. Vous pouvez vous fier au nombre parce qu'ils ne vont jamais vous tromper, d'accord Et notre société est basée là-dessus. Tout ce que nous faisons relève du compte. Donc, il faut commencer peut-être à l'intégrer aussi. Voilà. Donc, c'est ce que je peux te, je te dire. Je comprends la, la préoccupation euh, ou la question, mais euh, elle est pertinente et je, je crois avoir, enfin, j'espère avoir euh, apporté un début de, de réponse, voilà. Ok, merci yes. beaucoup, c'est clair. Merci, Nicole. Je vois qu'il y a peut-être d'autres mains. On va prendre deux, deux questions et puis on va, on va avancer. Oui, Jackson, tu peux prendre la parole, s'il te plaît. Oui, Djibombaré, moi, c'est une petite remarque que j'ai faite à propos de la graphie, surtout à l'importance du chiffre 8. Je me demandais que nous sommes tous et nous vient du chiffre 8. Est-ce que dans, dans les langues africaines, que le chiffre 8, ce n'est pas un homophone euh, du nom du Noun. Mais c'est exa exactement ça, parce qu'on dit Nani chez, le Kikongo, chez les Congos, par exemple. Pour ne citer que <laughs> le Congo, c'est le Noun, c'est la maman. Oh, okay. Oui, c'est une remarque absolument pertinente. Tu, verras, tu iras dans les dictionnaires, tu verras que les, les, le grand, les grands peuples bantous, entre guillemets, disent Nani pour dire oui il y a d'autres formes, dépendamment des peuples. Mais en tout cas, généralement, chez les ventours, c'est le noun qu'ils appellent quand ils disent huit. Parce qu'ils savent que c'est le lieu où se trouvent les quatre éléments fondamentaux. Ils savent que c'est le lieu, c'est le ventre de la maman. Oui, oui, c'est une remarque absolument pertinente. Merci d'attirer mon attention. Ça me permet vraiment de, de, de signifier cela. Oui. Quand, quand les mandingues vont dire nani, pour dire quatre, en bambara on dit nani, c'est quatre. Chez les Kongos, on dit nani, c'est 8. Vous pensez que c'est différent Non, absolument pas. C'est le même peuple parce que nous parlons, nous avons la même pensée. Quand nos ancêtres énoncent ça, ils ne disent pas autre chose que la même chose. D'accord Parce qu'un Bambara, par exemple, on dit nani, nani, c'est 4. Un Kikongo, par exemple, nani, nani, c'est 8. Ouais. Enfin, j'ai dit le Kikongo, il y en a d'autres. Hein. Je, je sais que je ne vais pas toutes les citer, mais je pense que vous avez accès à ces données. Donc vous allez vérifier, vous verrez que c'est effectivement cela. Mais les autres diront quatre, les autres huit. Vous pensez que c'est différent Non, absolument pas. La base est toujours la même. La conception du monde, la vision du monde est la même. Voilà pourquoi moi, je vous dis que, euh, bon, avec modestie naturellement, on va, on, va, on va avoir notre part de mariage avec ce monde invisible à qui est en train de nous tendre les bras. Parce que croyez bien que si, de ma modeste personne, je vous dis ceci, c'est parce que les choses sont en train de se faire. Je ne pouvais pas savoir ça si Dieu n'avait pas voulu. Je ne pouvais pas... Comprendre ça, ça c'est pas possible parce qu'il y en a beaucoup qui étaient, qui étaient beaucoup plus intelligents que moi, qui ont depuis des années, des siècles même, s'inquiètent de ces hiéroglyphes ils ne comprennent pas un traître mot de ça. C'est clair, je pense que vous le savez. Donc ça veut dire que il y a volonté hein, de faire des alliances de l'autre côté dans le monde invisible. Il y a cette volonté là, c'est-à-dire il est en train de nous draguer là, de nous dire Intéressez-vous à moi. Voilà, il faut qu'on fasse une alliance et ce que nous... mais pour le faire, il y a des conditions, il faut comprendre les clavicules, il faut comprendre comment ça marche il faut, faut amener les mecs l'aiment, c'est-à-dire le sorgo hein, le, le riz, il faut, faut amener ça dans l'alliance et ces choses-là sont dans nos clavicules voilà. ok, donc merci Jackson, on prendra la, la prochaine question, remarque euh, oui Diane De, tu, peux, tu peux prendre la parole s'il te plaît Pardon. Alors vous m'entendez Oui, oui. Et je voulais dire voilà on encore appuyer ce que le professeur disait parce que je me retrouve vraiment là dedans Et effectivement enfin on, pour nous en fait qui est une langue du euh, sous-groupe qui okay, Congo en fait on dit ilan en pour le 8 donc ça, ça ramène toujours au nous en fait bien sûr ça. <laughs> absolument c'est ça c'est exactement tu le beaucoup ça qu dans ce que vous dites <laughs> okay. exactement ça merci merci, merci Voici donc le nom de l'épaule, je l'ai dit tout à l'heure, je t'en poser la question de savoir pourquoi ils ne mettaient pas comme déterminatif. Effectivement, lorsqu'ils mettent le déterminatif, c'est un bras soit plié, soit un bras, un bras fermé qui, qui suppose une action. Okay? Pourquoi c'était important de le savoir Parce qu'il faut bien comprendre ce que nos ancêtres disent. Et si vous observez la graphie, il y a encore dans cette graphie le même jeu sonnette. Ce n'est pas un hasard. Sauf que comme je ne fais pas aujourd'hui à proprement parler une lecture analytique de la graphie, je suis là simplement pour vous, pour vous orienter vers des, des choses qui sont cachées derrière. Hein? D'accord Parce que ce n'est pas un hasard si c'est le nom d'Amon, parce que c'est le nom de Dieu qui est là, à chaque fois répété, Men, la racine Men qui signifie être stable. Et durée, etc., c'est-à-dire l'éternité, quant au fond, c'est son nom qui est là. D'accord Amma, c'est son nom. Donc, voici le nom de l'épaule. Vous voyez, ça s'écrit de cette façon, c'est translittéré RMN, possiblement lu par l'égyptologue Rémen, ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Mais euh, vous avez les références. Donc, pourquoi c'est important Parce que nous parlons des clavicules. Nous avons vu que le nom de, 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 du chiffre 8, c'est Kama. Un bambara notamment qui désigne l'épaule, mais il faut donc savoir comment s'appelle cette épaule parce que apparemment c'est quelque chose d'important. Donc raison pour laquelle nous devons comprendre ceci, ce qui va suivre est très, très important parce que vous allez mieux comprendre sans doute des choses qui ne paraissent pas euh, a priori lorsqu'on questionne ces faits. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est la parole dogon sur, sur ces questions. Alors euh, prière de m'indiquer si, si vous me recevez s'il vous plaît. Il y a une préoccupation d'ordre technique. J'imagine que c'est peut-être. Euh... Ok, parfait, merci. Merci euh, de votre patience et naturellement de votre compréhension pour des raisons indépendantes de mon excellente, de ma très bonne volonté. Et il y a des choses parfois qui peuvent se produire. Donc, euh, je vais dire euh, ce que j'étais en train, enfin, poursuivre ce que j'étais en train de dire. Je disais donc qu'en égyptien pharaonique, hein, je vais juste. Euh, Voir si je peux retourner en arrière. Voilà, parfait. Je disais que euh, l'importance en fait, du questionnement qui va suivre, c'est-à-dire euh, comment s'appelle le nom de l'épaule en égyptien pharaonique, c'est-à-dire dans la langue de nos ancêtres, euh, la, la pertinence de ce questionnement vient du fait qu'on vient de comprendre qu'en réalité, dans le chiffre 8, ils ont mis l'épaule. Pourquoi ils ont mis l'épaule dans le chiffre 8 Pour des considérations d'ordre philosophique et religieuse, essentiellement. Donc, c'est la spiritualité qui nourrit le nombre, et c'est normal. Le nombre est spirituel. Évidemment. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, euh, répondant à une question, que c'est normal qu'il n'ait pas mis le déterminatif euh, au déterminatif épaule Ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils savent que c'est beaucoup plus que l'objet épaule. Quand ils pensent euh, euh, au chiffre 8, ils pensent aux ancêtres. C'est normal, quand on est dans une situation, dans une civilisation formée sur ces, cons sur ces considérations, ça ne peut pas y être autrement et c'est une des raisons aussi pour lesquelles on peut donc statuer sur, effectivement, l'effectivité du fait. Que les anciens Égyptiens euh, ont leur, euh, comment dire, leur héritage immédiat dans les peuples soudanais. C'est évident. Quand on considère ce genre de choses, je peux vous dire que même si la pensée symbolique est la même chez les peuples noirs en général, évidemment, je veux dire, euh, ces connexions-ci, ça, ça permet vraiment de, de, de mieux comprendre de quoi nous parlons quand nous parlons de la civilisation égyptienne et de qui nous parlons et quelle est la langue des hiéroglyphes, en fait. Voilà. Parce que ça, c'est clair. Donc, Ici, ces deux graphies, il y en a certainement d'autres, mais deux suffisent, en fait, parce que c'est le même mot écrit avec des signes différents, notamment le déterminatif qui, qui peut changer, mais ça ne change pas le sens du mot. Vous savez que le déterminatif, c'est un signe qui est muet, puisqu'il il se lit, mais il ne se prononce pas. Et vous avez donc la translittération RMN, donc transitérée Remen, si on veut, quand on veut lire comme un égyptologue. Et la traduction, c'est le nom de l'épaule. Vous avez la source, le Wörterbourg, Derman et Grapeau. Vous avez le volume, vous avez la page. OK? Donc. Pour comprendre ce qu'ils mettent dans l'épaule, voici le texte qui va nous suffire à le comprendre. D'accord Et ce sont les Dogons qui vont nous apporter la solution. OK Nos ancêtres disent « Amma a pétri les clavicules en forme de houe. La clavicule est comme la houe, ou le fer, avec laquelle on fait tout le travail du champ. D'accord Écoutez bien ce que je dis. Parce que peut-être que ça va vous paraître lointain, mais je suis en plein dans la description de ce qui ressort précisément de la compréhension de ce que sont les clavicules et donc les pôles, puisque les graines dont nous parlons vont être les premiers aliments des êtres humains. Et d'ailleurs, on dit que Nomon a versé les graines de ses clavicules au moment de son sacrifice. Et ces clavicules constituent la nourriture des hommes. Voilà pourquoi on va vous faire du pain, on va vous faire du vin, produit de l'agriculture, pour faire des communions. D'accord il faut savoir que nous pouvons revendiquer certains rituels et le faire à notre manière avec autorité. On n'a pas besoin d'imaginer que nous sommes en train de faire comme les autres. Ils ne savent pas nécessairement quand ils font la sainte scène. Ils ne savent pas d'où ça vient. On ne peut pas le comprendre s'il n'y a pas une association entre le Rédempteur et les graines. Amma a eu un fils qu'on appelle Nomo, c'est-à-dire Osiris, qui a été sacrifié. Au moment de son sacrifice, il a versé son sang et les graines de ses. On le dit clairement, les graines de ses clavicules. D'accord Ces graines sont les nourritures des hommes. Voilà pourquoi, quand on fait un rituel, on prend du pain, on prend du vin en mémoire du sacrifice de l'ancêtre qui est mort pour nous laver, pour nous sauver précisément de ce moment de pour réaliser l'unité. D'accord Voilà. Ok. Donc j'espère que c'est clair. Donc mais pour revenir maintenant à la question de l'épaule, Amma, Dieu, a pétri les clavicules en forme de ou. Donc, on parle ici d'agriculture. La clavicule est comme la ou avec laquelle on fait tout le travail du champ. Écoutez bien ce que je dis. La clavicule, c'est-à-dire les épaules, sont ou est comme la ou avec laquelle on fait tout le travail du champ. La conclusion de ça, c'est quoi Je vous présente. Un dessin de Dogon, c'est comme ça qu'il représente les clavicules et la position des graines dans les clavicules. La place des graines dans la clavicule, c'est une figuration théorique. Si vous observez le dessin de la clavicule chez les Dogons, vous remarquez que ça ressemble au manche d'une houe. Et c'est votre clavicule qui est représentée en fait. Mais ce n'est pas seulement le manche parce qu'ici ce n'est qu'une partie, vous allez voir. Je reprends le texte. On dit Amma a pétri les clavicules en forme de houe. La clavicule la clavicule est comme la houe avec laquelle on fait tout le travail des chats. Quand les Dogons disent ça, c'est parce qu'ils savent comment représenter la clavicule. Et lorsqu'on représente effectivement la clavicule, je pense que chacun le voit, c'est la forme, le manche soit d'une hache, parce que la houe et la hache souvent portent le même nom dans les langues africaines, soit une houe. La conséquence de ceci, la voici. Voici ce qu'on appelle une houe égyptienne c'est-à-dire première, les premières attestations de la houe sous le soleil, sur la terre des hommes. Si vous regardez cette houe et que vous touchez votre épaule en allant vers votre cou, vous allez voir se dessiner la houe qu'on appelle les clavicules. Le bout supérieur étant l'épaule. Lorsque vous évoluez, vous avez au milieu ce qu'on appelle la salière, c'est-à-dire le creux qui est entre, euh, au-dessus de vos clavicules. C'est un creux très important, vous allez voir pourquoi je dis ça. Mais quand on dit que l'épaule ou la clavicule, c'est là-haut, c'est parce que nos ancêtres savent exactement à quoi ressemble la clavicule. Est-ce que chacun voit ce que je dis là Est-ce que chacun voit ce que je suis en train de dire Touchez votre épaule, allez vers le cou, vous allez voir se dessiner là-haut. S'il y en a qui ne voient pas, malheureusement, je ne peux pas le faire manuellement. Si on était dans une assemblée, je vous aurais touché l'épaule pour vous faire comprendre que c'est là-haut. En fait, mais peut-être que vous pouvez le faire de chez vous et vous verrez. Est-ce que chacun voit ce que je dis Ok, apparemment, c'est le cas. Et moment, je ne sais pas, quand tu dis de côté là, je ne sais pas. Non, touche ton épaule et va vers le cou. Tu vas voir, il y a deux os, je ne sais pas comment l'appeler, il y a une, une, une sorte d'ouverture qui se fait et c'est là où C'est le dessin de la où Et de part et d'autre des épaules, dans les clavicules, vous devez savoir que la clavicule gauche a quatre graines, la clavicule droite, à quatre, graines, à, à quatre graines. Et bien sûr, la gauche c'est le féminin, le droit c'est le masculin. Donc c'est toujours organisé de toute façon dans cette dialectique, dans cette dualité. Ok. Et euh, voilà. Donc, euh, bon, j'imagine qu'il y en a qui ne répondent pas, mais ce pas moyen, pas moins qui comprennent ce que je dis parce que j'imagine que vous répondez pour tout le monde. Et il faut vraiment le comprendre. Donc, quand on dit, hein, je, je le reprends, quand on dit que Ama a pétri les clavicules en forme de houe », c'est de ça qu'on parle. Quand on dit que Ama a pétri les clavicules en forme de houe », c'est de ça qu'on parle. Je reprends. Quand on dit que Ama a pétri les clavicules en forme de houe », clavicules liées à l'agriculture, la houe liée à l'agriculture la également, parce que c'est la condition de la civilisation, vous allez comprendre. C'est de ça qu'on parle. D'accord C'est parce qu'on connaît la, la forme de la clavicule. Et c'est la forme de la clavicule qui a donné l'idée aux humains de la haut Évidemment, ça montre encore l'origine et la source de la civilisation. Parce que je veux dire, vous allez chercher ça, je ne sais pas ailleurs en Afrique, vous allez chercher longtemps. C'est-à-dire que le discours même général sur la naissance de la houe, qui est la charrue, la base de la civilisation, c'est les, les Soudanais qui le tiennent. Et clairement, il n'y a, a pas de discussion possible. Le Dieu en action à ce moment, c'est Amma, c'est-à-dire Amon. D'accord Bon, donc, si maintenant la chose est claire, je vais donc vous parler de cette fameuse épaule. Parce que si on vous dit que la, la, la clavicule a la forme de la haut, mais ça coule sous le sens, ça veut dire que la haut et la clavicule, c'est la même chose. Et c'est ce qu'on observe ici. Cette translittération, ce qu'ils écrivent là, remènent là, Voici les solutions. En poula, rima, cultivé, labouré. D'accord Pula, remnu, cultivable. Pula, remnata, ce qui fait cultiver. Kikuyu, rima, c'est cultivé. Suba, rima, cultivé. Dinka, rima, cultivé. Ça, ce ne sont que quelques exemples. Kirundi, ku, rima, cultivé. En shona, rima, cultivé. C'est aussi le nom de la ou. Je, je vous le dis euh, pour que vous sachiez, parce que. Dans les langues africaines, ces formes s'y permettent également de nommer là-haut. Donc, ce qu'ils sont en train de nommer ici, ce n'est pas directement l'épaule. Ce qu'ils sont en train de nommer ici, c'est l'agriculture, la le fait de cultiver. Parce qu'ils savent que dans les épaules, il y a les clavicules. Les clavicules, il y a les graines. Est-ce que chacun comprend la connexion qui est faite dans la pensée du scribe? Et pourquoi il représente les choses de cette façon? Ok, Mawena dit que oui. J'espère qu'elle parle pour tout le monde, car Mama aussi. Bon, c'est parfait. Donc, c'est ce qui est écrit, en fait. C'est-à-dire que le rendu phonétique, là, ce n'est pas le nom de l'épaule. Vous allez chercher longtemps, Rima, vous allez chercher longtemps. Non, c'est là où le travail agricole. Pourquoi Parce que Amma a pétri les clavicules en forme de OU. Quand on dit ça, ça veut dire que c'est ce, ce peuple-là, les Dogon, Malenke, Bambara, qui ont fait les hiéroglyphes. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est-à-dire que dans la pensée symbolique, vous ne pouvez pas vous tromper. On ne peut pas vous dire que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Quand vous avez ce type de connexion, ça élimine de fait ceux qui prétendent. Euh, je veux dire, ah bah, <laughs> c'est un fait. Je veux dire, je ne veux pas être long sur ces questions. Je pense que vous avez déjà compris. Donc, c'est ce qui est écrit. Donc, je reprends. Le, 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 le chiffre 8, c'est le nom de l'épaule. Le nom de l'épaule, c'est là où est le système agricole. C'est l'agriculture, c'est-à-dire la civilisation. D'accord? Donc, c'est bon, je pense que, que c'est clair. Hein? Donc, Ampula rema, remnu, remna, c'est ce qu'ils écrivent. Okay? C'est ce qui est écrit ici. D'ailleurs, on le voit au déterminatif, qui est le dé, dé, déterminatif des actions. Ça veut dire que ce n'est pas le nom de l'épaule ici, c'est évident. C'est quelqu'un qui est en train de faire une action. Cette action, c'est cultiver. D'accord L'agriculture, c'est ce qui est en train d'être dit ici. Mais on dit épaule. Parce que le scribe va effectivement mettre ce signe à côté de l'épaule, mais il faut être dans la philosophie du pays, dans la philosophie de la langue pour comprendre pourquoi elle le fait de cette façon. C'est ça, en fait. Parce que ça relève de la religiosité, de la spiritualité, de la philosophie, etc. Voilà. Parce que les Africains ont un nom pour l'épaule, vous allez voir. Et c'est là que rentre en compte ce que Alain Anselin appelait justement ce qu'on appelle le cryptotype culturel. C'est-à-dire que même quand la transitération que vous avez, c'est-à-dire le mot écrit phonétiquement que vous avez, ce n'est pas le rendu du nom de l'épaule, vous allez voir, la correspondance est toujours permanente. Par exemple, en Wolof, Bak, c'est l'épaule. Lingala, Li, Beke. Le Li, c'est ce qu'on appelle un préfixe de classe. Le mot, c'est Beke, qui est le même que Mbak en, euh, en, en Wolof. En Baka, au centre on va dire Baka pour dire l'épaule, l'aile, etc. En beaucoup, on dit Beka, l'épaule. En Teke, Bege, c'est l'épaule. Mais c'est le nom de la roue. C'est ce que vous voyez. C'est-à-dire Ambassa Bak c'est là où Bakoko et Bak c'est là où Bekwel Bak c'est là où Boulou et Bak c'est là où Bukuzu M Bako c'est là où Pourquoi Parce que la pensée symbolique est la même C'est-à-dire que quand les peuples éthiopiens nos ancêtres pensaient épaule ils pensaient travail, récolte ils pensaient où ils pensaient euh, clavicule ils pensaient graine Ça ne peut pas se concevoir autrement Voilà pourquoi vous avez donc cette correspondance au niveau de l'homophonie voilà pourquoi on sait que c'est le nom de l'épaule. Parce qu'on sait que quand on pense agriculture, c'est le nom de l'épaule. Voilà à quel niveau se, se situe en fait le scribe. Il n'est pas dans une description littérale d'un mot quelconque pour désigner une partie quelconque du corps. Il est dans la philosophie en fait, dans la religion en fait. D'accord Parce que le nom de l'épaule, et vous le voyez par exemple, je vais, je vais transitérer, Rémen, j'ai dit que ça correspond à Rémou, etc. Ça c'est clair. Mais vous avez ce qu'on appelle en Afrique. Le crypto culturel, c'est-à-dire la pensée symbolique. Hein. J'aime cette formule d'Alain Ancelin parce qu'elle rend bien compte de l'idée originelle des choses. Et vous verrez toujours cette correspondance s'établir. C'est-à-dire, certains vont appeler l'épaule quand d'autres vont dire la houe, vous ne savez pas pourquoi, vous croyez que c'est des mots différents, que c'est une langue différente, c'est faux, ce n'est pas vrai. D'accord Ce n'est pas vrai. Parce que quand en Wolof, j'ai dit mbak pour dire l'épaule, et qu'en Bassa, j'ai dit bac pour dire la houe, cest c'est-à-dire que Wolof et Bassa étaient assis dans le même champ à l'école. Ils étaient exactement dans la même position. Ils se comprenaient parfaitement quand ils parlaient. D'accord Parce que c'est le même peuple. En réalité, c'est ce que ça veut dire. Parce que la pensée symbolique est la même. Donc nous parlons une même langue. Elle est juste masquée, cachée derrière une réalité philosophique. Mais les hiéroglyphes permettent de percer, de mettre à jour cette, cette unité culturelle dont parlait Anta Diop, en fait. D'accord bon. Est-ce qu'il y a des questions ici J'en prendrai une ou deux, s'il y en a. Ensuite, on va pouvoir euh, avancer. Merci. OK, donc on va pouvoir, euh, si vous le voulez bien, pouvoir poursuivre. Donc j'ai dit, hein, en parlant ici du cryptotype culturel, évidemment on irait chez les mandingues, ce serait la même chose. En Bambara, on dit daba, c'est là où Malinké daba, c'est là où Mandinka, on dit daba ou daba et d'accord Même quand, je le répète, quand bien même la graphie euh, telle qu'elle est rendue ne rend pas compte de cette idée, on voit bien que c'est le peuple qui pense, qui produit un système. Naturellement, les clavicules ont un nom en Égyptien pharaonique. C'est un aspect que je ne vais pas très développer aujourd'hui parce que c'est encore un chemin, je vous assure. Mais je ne pourrais pas évoquer ces questions sans vous présenter le nom même des clavicules en particulier, parce que je parle de l'épaule, mais évidemment, nous, nous savons très bien que il euh, y, euh, y a une petite, petite nuance entre l'épaule et la clavicule. Ce n'est pas tout à fait la même chose, même si, quant au fond, tout ceci fait partie de l'articulation de l'épaule. Donc, voici le nom de la clavicule. Je vais directement aux solutions sans insister. C'est le nom de l'épaule. C'est le nom de l'aile euh, dans les langues africaines. La duplication du B que vous voyez peut devenir un P. En boulom, pépé, épaule, dit chirukou, c'est l'épaule, etc. On dit l'ibaba, c'est l'aile de l'oiseau. En pape. papé, etc. En bassin, on va dire l'ipapa, Lipabe, il faut dire l'aile. Paba, porté sur le dos. Hein? D'accord? Medumba, on va dire pap, c'est l'aile. Bobangi, lipapu, etc. etc. Enfin, vous le voyez comme moi, mais c'est ça. Voici la solution de lecture pour le nom le nom de, de, de l'aile. Si vous observez une chose, peut-être que vous ne le savez pas, je vais vous le dire. Par exemple, dans les langues de l'ouest du Cameroun, chez les Bamileke, par exemple en Bali, on va dire m'bap pour dire l'aile, m'bap pour dire la chair. C'est de là que vient le concept de chair, parce que la notion de chair, c'est une notion spirituelle. Quand on parle de la chair en parlant du Christ, par exemple, c'est-à-dire d'Osiris ou de Nomo, vous devez savoir que nous sommes en train de questionner ici un relief qui touche à ce qu'on appelle les principes spirituels, qui sont... Ces quatre éléments fondamentaux, car c'est eux quatre qui permettent l'incarnation. Okay. La fabrication de la chair dépend de l'alliage de ces quatre éléments fondamentaux qui sont des principes spirituels que nous avons dans les clavicules. D'accord bon, Je ne vais pas développer là-dessus, mais je vous le dis, vous devez le savoir. Et, et les mots que je suis en train de prononcer ici, ce sont les mots de l'esprit. Hein? Euh, donc, ce que nous avons dans les clavicules, c'est des principes spirituels. Qui se matérialise à travers des graines. D'accord En Kibon, des Mpepo, ça va tout ça c'est le nom des clavicules, le vent, le souffle. D'accord C'est quelque chose d'extraordinaire, mais c'est cela. En Kikongo, on dit par exemple Mpeveya Longo pour dire le Saint-Esprit, mais Mpeve c'est le souffle, c'est le nom des clavicules. D'accord Donc c'est quand même important aussi de le savoir. C'est-à-dire que quand on parle de l'esprit, Souffle, ce sont nos clavicules qui sont le réceptacle des principes spirituels et c'est normal, parce que, évidemment, après tout ce que je viens de dire, je pense que vous ne faites plus de, de nuances entre les éléments primordiaux et les ancêtres qui, qui, qui l'incarnent et les graines à la suite desquelles se situent, enfin, qui se situent à la suite ou avant ou ensuite de, de ses ancêtres, parce que tout cela, c'est la même chose. Mais ce sont des principes spirituels sur lesquels on travaille, justement, dans les questions d'alliance, dans les questions d'imposition du nom, dans les questions, euh, voilà ritualité, sacrifice, purification, etc. C'est ça. Qu'est-ce qui est visé? C'est ce que nous faisons. D'accord? Et c'est le lieu même de l'esprit, de la spiritualité au sens littéral du terme. Donc, quand vous voyez des clavicules, ce n'est pas juste des choses parce qu'elles sont matérialisées. Que... Non, c'est chargé. Il y a beaucoup de choses dedans. D'accord? Beaucoup. Et comme je l'ai dit, si... Euh qu'on n'est pas un traître mot, un début de, de questionnement sur les clavicules, il ne faut même pas parler de spiritualité. On est au champ, on amène des gens aussi euh, dans le champ. C'est-à-dire on est en train de plaisanter, on n'est pas sérieux. On devient sérieux quand on intègre ceci, car c'est localisé quelque part. Et ce sont dans les, c est, c est les clavicules, en fait, qui sont le réceptacle de nos principes spirituels qui, sont, qui te matérialisent à, 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 à travers les graines. Et c'est la base même de tous nos rituels, absolument tous. D'accord Bon, espérons que ceci est clair. Donc... Ici, euh, si je fais un développement euh, sans aller dans le détail, car je vous assure, comme j'ai dit, ça c'est encore autre chose. Bon. Parce que par exemple, je donne un exemple concret, en bambara pour dire le vent, on dit fonio, fonio, mais fonio, c'est le nom, c'est le fonio même, la graine. Mais c'est le nom du vent, du souffle, principe spirituel. Hein? Donc vous devez savoir que ça ne s'arrête pas simplement à cette première description, mais c'est beaucoup plus puissant que. Simplement une simple, un simple survol, comme, comme je le fais ici. C'est beaucoup plus profond. OK. Bien évidemment, on trouvera donc le grand Seigneur, celui qui, est le, qui fait, qui, qui fait l'objet de toutes mes palpitations nocturnes. No, C'est nocturne, bien celui qu'on appelle Osiris, avec des ailes. Ce vautour représente l'esprit. Hein, C'est même, même, ce que dit d'ailleurs Aurapollon. Euh, Lorsqu'il parle de, de ce qu'on qu peut qualifier de Saint-Esprit, dans ses hiéroglyphiques, il parle du vautour. C'est ça. Les ailes que vous voyez là, c'est les principes spirituels. C'est ça, même le nomo. Donc, on peut vous mettre des ailes. C'est pour ça qu'on représente les anges avec des ailes, par exemple. Les gens ne savent pas, ils ne savent pas que c'est le principe spirituel. Les anges, vous ne les, vous les verrez jamais. Mais vous les avez dans vos clavicules parce que quand on parle d'ange gardien, ce qui vous garde là, ce qui vous sauve, c'est les graines dans les clavicules. <laughs> c'est ça. C'est ça, la réalité. Voilà pourquoi on fait donc une extension. Parce que dans les langues africaines, le nom des épaules, c'est le nom des ailes. On va donc vous faire des ailes. Pour représenter des êtres célestes, mais ce sont les ancêtres, c'est eux qui vous protègent. Ce n'est pas l'ange Gabriel qui va vous serrer dans une cave pour vous donner les versets coraniques, non. Ça, ce sont des histoires. Il faut vraiment comprendre que non, ça n'existe pas ce genre de choses. Vous ne verrez jamais un ange. Vous allez, vous allez, non. Les anges, même, vous les avez dans vos clavicules. Ce sont vos anges gardiens. C'est eux, les huit. D'accord Ils se multiplient, évidemment, mais ça commence. Quand je dis huit, il n'y a, a rien au-dessus. Donc, c'est une multitude. <laughs> D'accord <laughs> Le chiffre symbolique de la quadrigémédité, qui est le chiffre de, deux, c de Dieu, c'est 8. Donc, à 8, je suis avec Dieu. D'accord? Donc, on peut donc mettre des ailes à ce grand Seigneur, parce que, évidemment, il est d'abord esprit. Il est d'abord esprit. Il est mort hein, pour notre rédemption, pour nous sauver. D'accord? Voilà, c'est cela. Et il a versé les graines de ses clavicules pour nous donner les nourritures que nous consommons. D'accord? Et avec lesquelles nous pouvons donc... Euh, comme une en quelque sorte. Voilà. OK?